Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit live. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo en cours de développement. N'oubliez pas que c'est en cours de développement surtout. Et pour ça, on reçoit ce soir Franck. Bonsoir Franck, comment vas-tu? Est-ce qu'il est toujours là? Oui, bonsoir cœur. Désolé du retard. Tout va bien. Alors n'hésitez pas à nous dire si le son est un peu trop fort ou pas assez. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, on commence tout de suite en regardant une petite vidéo du jeu qui dure à peu près 6 minutes. Que t'en penses? Et comme ça, après, on peut directement parler du jeu. Oui. Ok. Eh bien, c'est parti. Afin de poursuivre ton voyage spirituel, es-tu prêt pour tes premières quêtes? Tu devrais commencer par récolter quelques composants. Que tu puisses fabriquer des armes et d'autres objets. Tu pourras alors chasser et pêcher les esprits d'animaux. Tu peux aussi piéger des animaux. Sois rusé, utilise ton imagination pour atteindre tes buts et des artefacts spirituels. Prépare-toi pour la nuit. Crains le monstre de ces contrées qui ne peut être défait. Tu vivras cette aventure, tu pourras en prendre des souvenirs quand tu le voudras.
tu peux même ressentir plus de sortes d'émotions en parcourant ce monde onirique avec des amis, de manière coopérative et rapide, contre un ennemi commun. Ce sera la plus grande aventure de ta vie, ou devrais-je dire, de ton au-delà, qui sait. Eh bien voilà, plutôt sympathique, non? Alors Franck, bah écoute, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu plus du et jeu. Et oui, oui, ben... je suis rassuré parce que... Ah, est-ce qu'on a peu des petits bugs de... Discord? Ah. Je sais pas comment je fais. Non, bah non, je coupe forcément le son de Twitch. Puis c'est bon. Parce que sinon, j'entends deux fois ma voix, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est ça. Pas l'habitude. Ok, bah écoute, je te laisse présenter le jeu, te présenter toi. Ok, bah, très bien. À toi l'honneur. Ok, ça marche. Donc, bah voilà, donc je m'appelle Franck. Super Discord, super. Attends, on a des petits soucis. Non. Alors attends, donc oui, donc tu t'appelles Franck et après ça a coupé. Ouais, pas de soucis. Et donc, je te disais que je bosse dans le jeu vidéo depuis 19 ans. En tant que producteur et ou lead game designer. Et sur ces 19 ans, j'ai fondé et dirigé deux studios indés pendant 10 ans. Et voilà, je travaillais sur pas mal de productions très différentes les unes des autres. J'étais aussi bien en charge de jeux mobiles free-to-play que en temps j'étais le producteur de Wakfu à Ankama, que de jeux web-based, que de jeux pour Nintendo DS, pour voilà, j'ai un petit peu de tout. Et j'ai même travaillé aussi sur en robot, voilà, en robot ludopédagogique pour les enfants. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Et j'ai été, je suis toujours enseignant dans une école de jeux vidéo. Voilà, j'enseigne l'industrie du jeu vidéo. Vaste sujet. D'accord. Et donc, ça fait quelques années que je travaille sur un side project, en anglais ou en français, on dit un projet que l'on fait sur le temps libre, pour l'instant du moins, avec une équipe d'une douzaine de personnes. Qui est avant tout centré sur le jeu vidéo, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, on a des groupes dédiés à tel ou tel projet, avant tout sur le jeu vidéo, mais comme on le verra ensemble, on travaille aussi avec des équipes dédiées à d'autres projets que le jeu vidéo, mais toujours dans la même IP, dans la même licence qu'est Hunting Grounds of the Great Spirit, donc dans un esprit transmédia. D'accord. Et donc, pour expliquer un petit peu peut-être à ceux qui connaissent pas spécialement, comment tu décrirais de manière assez simple le transmédia ? Alors, déjà, ce que ce n'est pas le transmédia, c'est que ce n'est pas le cross-média, c'est ce que fait par exemple, enfin je sais rien, mais c'est par exemple ce que fait une entreprise américaine aux grandes oreilles de souris.
qui en fait sort en film des captures d'écran et en fait des livres pour enfants. Donc ça signifie que c'est la même histoire, avec le même personnage, le même déroulé, tout pareil. Sauf que c'est sur plusieurs médias, ça c'est ce qu'on appelle du cross-média. Et le transmédia c'est totalement différent, enfin plus ou moins différent, dans le sens où en fait c'est le même univers que l'on utilise dans plusieurs médias et qui raconte des histoires différentes, mais dans le même univers. D'accord. Avec des personnages des fois récurrents, des fois d'autres personnages, des fois le personnage principal dans le média devient le personnage secondaire sur un autre média et réciproquement. Mais donc ça permet toujours de développer davantage l'univers sur chacun des médias. C'est ce que fait par exemple Ankama avec Wakfu de Fus, bref le Crossmoz. C'est aussi ce que fait Ubisoft avec Assassin's Creed en jeu vidéo. Il y a eu aussi le film, il y a aussi le bande dessinée qui raconte toujours des histoires différentes mais dans le même univers. C'est beaucoup plus difficile de tirer donc des fils rouges d'une histoire à une autre, pour des intrigues, des sous-intrigues, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que l'on essaie de faire avec Hunting Grounds, donc avec le jeu vidéo et ses autres projets. D'accord. Je pense que c'est très bien résumé. Là, le chat qui ne pose pas spécialement de questions, donc je pense que tout se passe bien. Bon. Jusqu'à maintenant. C'est assez compréhensible. Et donc, du coup, avec Hunting Grounds, vous êtes combien à travailler dessus à peu près ? On rappelle que c'est en développement et que c'est totalement indépendant. Ah oui, pour faire plus indépendant, c'est pas trop possible, hein, vu qu'il y a pas de budget pour l'instant, donc c'est, voilà. Donc on est une douzaine de personnes, environ. Pour le jeu vidéo, évidemment, c'est la majorité de l'équipe. Au niveau code, donc on bosse avec UE4, hein, comme moteur de jeu vidéo. Oui. Pour le code Blueprint, il y a JB, il y a David. Pour les graphismes, environnement et d'autres choses, il y a Alexis. Pour tout ce qui est cinématique précalculé, c'est plutôt Victor qui s'en occupe, bien sûr. Pour le son, il y a aussi bien Aurore que Alex. L'autre Alexis, on préfère l'appeler Alex pour pas de confusion avec l'autre Alexis. D'accord. Voilà, et je suis à la recherche d'un animateur pour me rejoindre, un animateur 3D. Voilà. Et puis après, pour les autres projets, je te parlerai des uns et des autres quand tu montreras des images des autres projets, si tu veux. D'accord, pas de problème, ça marche. Et puis moi, qui suis en charge à la fois du game design et de la gestion de projet. Voilà. Ok. Parfait. On a Thierryel qui demande d'où est venue l'idée de faire un jeu reposant sur cette culture. Alors en fait, déjà tout petit, j'étais toujours pour les Indiens, entre guillemets, c'est pas politiquement correct de dire ça, on parle plus d'Amérindiens quand même. J'étais toujours pour les Indiens dans les westerns. C'est, voilà. Et au-delà de ça, ça m'a toujours attiré le fait que jusqu'à assez récemment, c'était des populations qui vivaient vraiment, vraiment comme dans des temps très, très, très anciens. Et c'est pas du tout péjoratif de dire ça, quoi, mais encore jusqu'avant l'arrivée des colons blancs en Amérique, hein, ils vivaient, je précise, c'est même pas péjoratif, c'est en fait. Ils vivaient vraiment comme des hommes préhistoriques. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'écriture, et c'est l'écriture qui marque l'entrée dans l'histoire. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le dictionnaire. Et comme ça. Ils n'avaient pas de roues, ils ne connaissaient pas l'utilisation du métal. Et cela jusqu'à il y a 400 ans de ça. Quoi. C'est une broutille. Et donc, je trouvais ça assez phénoménal. En dehors, évidemment, de l'aspect historique, qui est évidemment regrettable par rapport à l'histoire qu'ils ont vécue, quoi, ces derniers siècles. Mais au-delà de ça, leur culture m'a beaucoup intéressé depuis que j'étais assez petit. D'accord. Intéressant. Et j'avais une question, mais je l'ai ravalée comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. Ça va te revenir. Peut-être. Et donc du coup, est-ce que tu veux revenir peut-être sur certains points de la vidéo tant qu'elle est là, qu'elle nous attend? Ouais, pourquoi pas. À la limite, je sais pas trop si c'est un moyen de la jouer et après, éventuellement, on pourrait faire des pauses pour parler de tel ou tel point, si ça te dit. Oui, écoute, je viens déjà de la jouer, les gens ont pu la regarder.
Donc là, on peut déjà la mettre en pause tranquillement, quoi. Revoir les passages et en parler. Je pense qu'il y a, y a des choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Donc, en reprenant du début. Ouais. Tu peux appuyer sur play et à la limite, je peux te demander de faire pause à tel ou tel endroit. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Merci. Déjà, on notera la voix déjà qui est plutôt connue, je pense. Ah oui. Certains l'ont peut-être reconnu même. Donc ça commence par une vue sur des îles. Sur évidemment d'îles volantes, parce que, bon, bah, évidemment, s'il n'y a pas d'îles volantes, c'est pas un vrai jeu vidéo, hein, on est d'accord. Et là, on tombe sur Crazy Hall. Voilà, Crazy Hall. Ah, j'ai un gros décalage avec Twitch. C'est pas rien, je t'en prie, c'est l'essentiel. Tu dois avoir un petit peu Donc Crazy Hall, donc, qui est doublé aussi bien donc, dans le jeu vidéo que pour les autres projets de Hunting Grounds, qui est doublé par PADG, par Pierre-Alain de Garrigue, qui a fait la voix bien connue de l'aubergiste dans Hearthstone. Il a fait du LOL, il a fait du WoW, et, enfin, choses, voilà, Portal 2 et d'ailleurs, on a vu ça sur ta chaîne il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, exact. Ça remonte à un sacré bout de temps, ça doit faire, je sais pas, peut-être 30 ans, un truc comme ça, qu'il doit bosser sur les voix off de jeux vidéo. Et c'est un garçon absolument adorable et qui aime beaucoup le projet. Et vu que c'est quelqu'un de très très zen, dans le bon sens du terme, travailler sur un tel projet l'a vraiment branché, quoi. Et donc du coup, c'est lui la voix française de Crazy Hall pour tous les projets de Hunting Grounds. Et d'accord. Voilà, et éventuellement d'autres personnages, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Crazy Hall, c'est lui. D'accord, et ok. Et Crazy Hall étant le chaman qui nous donne les quêtes, voilà, les quêtes, les sous-quêtes, etc. Bref, les quéquettes aussi. C'est important, voilà, donc on a un chaman qui nous donne les quéquettes. C'est spécial. Et voilà, alors, on sait. Là, vous voyez pas du tout l'aspect définitif de Crazy Hall. Ce sera bien amélioré, voilà. Mais bon, c'est de voir qu'il progresse, comme c'est marqué. C'est ça. Et donc du coup, j'imagine que c'est un personnage récurrent, du coup. Exactement. J'ai même envie de dire que c'est le personnage central de l'IP, en fait. D'accord, ok. Même si c'est pas lui qu'on incarne, mais c'est un petit peu le maître Yoda, entre guillemets, de l'univers. D'accord, pas de problème. On va avancer un petit peu dans la vidéo, on va voir. Ouais. Ton voyage spirituel. Es-tu prêt pour... Alors, vu qu'il y a un petit décalage, je te laisse mettre pause quand tu le sens. Pas de soucis. Parce que... Donc là, on commence à aller dans la partie survie en récoltant du bois. Voilà. Donc, en effet, c'est vraiment, ça je voulais le dire, c'est un jeu avant tout d'exploration-aventure. Ce n'est pas un jeu de survie. Mais il n'empêche que il y aura aussi un petit peu de crafting à faire. Pour faire ces crafting, il faudra récupérer des composants. Donc on récupère des composants pour ensuite pouvoir crafter. Attention, ce sera pas du Minecraft, hein, voilà. Mais faire une hache en diamant, vraiment. C'est... non, a priori non. Ce sera plutôt un tomahawk avec du bois, de la pierre et voilà. Des cordes. Voilà, donc c'est un jeu d'exploration-aventure, ça, solo, précise, avant tout. Même si il y aura éventuellement un mode de jeu multijoueur, à part, secondaire, mais c'est avant tout un mode de jeu solo, en vue FPS, comme vous pouvez le voir. Ok, donc du coup, avec tout ça, on a vu ça aussi dans la vidéo, donc il y a des crafts, donc il y a du bois, il y a de la pierre... Les composants, oui. Il y a bois, pierre, il y a différents types de... Il y a la touffe d'herbe, les baies... Exactement. Ouais, pas mal de choses différentes. Il y a le craft. C'est ça. Exactement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir soit crafter des petits objets directement dans l'interface, genre des armes, ou de la corde, des choses comme ça, quoi. Ou pour les gros objets comme feu de camp,
tipi ou canoë, pouvoir les crafter dans le monde, en fait. Où on les place, ça nous dit si on peut le construire là ou pas. Et si on peut, après, il faut apporter, donc, tel ou tel composant pour pouvoir effectuer la fabrication de l'objet. D'accord. J'imagine qu'après, en objet craftable, il y en aura plus. Là, c'est pour montrer un canoë, un tipi, du feu, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais après, l'idée, c'est pas non plus de faire des dizaines de choses. Voilà. Oui, on n'aura pas non plus des dizaines. On ne pourra pas construire une maison, un bâtiment de 10 mètres. Non. On ne pourra pas non plus creuser la terre ou la roche pour ce sera pas du tout Minecraft. D'accord, ça marche. Et donc là, on voit qu'on peut crafter un arc et sûrement une lance. C'est ça. Exactement, là aussi, il n'y aura pas 36 000 armes. Voilà, il n'y aura pas de fusil sniper à lunettes et tout. Non. ce seront des armes traditionnelles amérindiennes. Non, du coup, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a le tomahawk, il y a la lance et il y a l'arc à flèche. D'accord. Qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure dans le jeu, en fonction des quêtes. D'accord. Est-ce qu'il y aura un système peut-être de puissance des armes ou pas du tout ? Pas vraiment, non. Mais de toute manière, il y aura toujours une augmentation progressive de la difficulté, évidemment. D'accord. Comme un jeu qui se respecte. Et et par contre, oui, il y aura toujours un petit game design à base de light RPG, j'ai envie de dire, mais vraiment light. Comprendre, il y aura une augmentation potentielle des mocassins qui peuvent être plus ou moins silencieux, qui peuvent nous faire avancer plus ou moins vite, etc. Une chose extrêmement importante que j'ai oublié de dire, c'est qu'on n'est pas censé être là dans le monde réel. C'est un monde onirique, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des îles volantes, voilà. Donc c'est pas le monde réel, c'est un monde spirituel où les Amérindiens sont censés se rendre quand ils sont sur le point de mourir. D'accord. Donc de quitter leur enveloppe charnelle, voilà, pour éventuellement pouvoir se réincarner, parce que la plupart des Amérindiens croient en la réincarnation, voilà. Et après, en fonction des succès ou pas dans le jeu vidéo, on va pouvoir soit se réincarner à la fin de notre voyage spirituel, que l'on fait pendant tout le jeu, soit on sera coincé sur place, ou encore, éventuellement, si on fait un succès très compliqué à avoir, il est même possible de revenir à notre enveloppe charnelle. Voilà, donc on n'est pas mort, mais c'est à la limite entre le purgatoire et le paradis. D'accord, donc il y a déjà un fond, enfin une histoire. Oui, c'est un jeu qui est sous-tendu par une vraie narration, par une vraie histoire. En fait. D'accord. Avec un rapport de temps en temps entre le monde spirituel où on évolue et le monde réel que l'on a quitté, avec des cinématiques précalculées, flashback en fait. D'accord, ok. On a encore Thierry qui nous pose une question. Est-ce qu'on tombera sur des villages, entre guillemets, avec d'autres tribus, ou sera-t-on toujours tout seul dans ce monde ? Alors, on sera jamais tout seul, mais c'est pas pour autant qu'il y aura d'autres villages. Dans le sens où, en fait, Hunting Grounds of the Spirit, c'est la base de chasse. Parce que hunting, il y a le mot hunting au tout début. Donc ça signifie qu'en fait, il y aura beaucoup de PNJ, mais de PNJ animaux. Il y aura des animaux qu'on va devoir chasser, d'autres ne pas chasser. Il y aura le donneur de quête, donc Crazy Hall, et nous-mêmes. Et on verra un peu plus tard qu'il y a aussi un grand méchant. D'accord, ok, oui, on va y venir un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Exact. Mais non, il n'y aura pas de village avec d'autres tribus, etc. On est très loin d'avoir les moyens de faire un Far Cry Primal. Non, c'est pas possible. Voilà. Mais on peut quand même faire des très bons jeux minimalistes, comme on a pu le voir avec le jeu Journey, que vous devez connaître, les uns et les autres.
ou d'autres jeux comme Flower, enfin c'est le même studio américain, vous me direz. Mais voilà, dans l'absolu, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 PNJ, etc. pour faire un jeu sympa, me semble-t-il. D'accord. Pareil, encore une fois, une question que j'ai ravalée, bon, c'est pas grave. On y reviendra, mais c'est pas grave. Bon, on va continuer à avancer dans la vidéo, comme ça... Il faut manger du poisson, hein, ça peut aider. C'est clair. Alors... on a Sylvain qui nous demande s'il y a un système de vie, fatigue, endurance, faim, comme dans The Forest. Alors, ce n'est pas un jeu de survie. Donc non, on n'a pas besoin de manger, ni de dormir, ni de boire, ni de faire caca, rien du tout, non. Par contre, oui, il y a une jauge de vie. Enfin, de vie, entre guillemets. Une jauge de wanka ou de karma, on n'est pas encore trop sûr du nom, mais oui, il y aura une jauge qui représente, entre guillemets, la vie. Et il y aura une jauge de stamina. D'accord. Qui n'apparaissent que quand on court ou quand on fait un effort soudain. Voilà. Pour pas que ce soit toujours à l'écran, de manière à rendre l'expérience la plus immersive possible. D'accord. Donc, non, moins de HUD possible. Ce sera pas du tout en jeu de survie. D'accord. Donc oui, je voulais juste rappeler que c'est indépendant et que vous faites ça du coup sur votre temps libre, bien sûr. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Voilà. on cherche pas du tout à se comparer à une production AAA, même pas AA, voilà. On cherche à faire le meilleur jeu indépendant possible, vu nos petits moyens. Voilà, je travaille avec une équipe très compétente et très motivée, et avec ça, et ben, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais évidemment, ça demande beaucoup plus de temps que si on pouvait tous travailler dessus à temps plein. Oui, c'est sûr. On a Arkama qui demande si c'est un jeu exclusivement de craft et de chasse, et s'il y a des objets secondaires. Oui, tout à fait. C'est de l'exploration-aventure, donc ça signifie que exploration, donc il faut trouver des choses, donc des items plus ou moins rares, etc. Et de l'aventure, ça signifie qu'il y a aussi des énigmes. Des énigmes, mais pas aussi compliquées que ce que l'on peut trouver dans des titres dédiés. Là, le nom m'échappe, mais vous voyez de quoi je parlais. Des jeux de puzzles où il n'y a que des puzzles. Le nom m'échappe. Ce seront des puzzles plus accessibles, des énigmes plus accessibles, mais il y en aura. Et tout cela est sous-tendu par de la chasse et du craft. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de l'exploration, et ensuite de l'aventure, et ensuite de la chasse et du craft. D'accord. Par ordre de priorité. Pas de problème. Un petit peu comme le dernier Zelda là, sur Switch, qui est avant tout un jeu d'exploration-aventure. D'accord. Voilà. Ok. On va continuer à avancer, comme ça on va en savoir un peu plus, se rapprocher du grand méchant, comme tu l'as dit. Alors... Donc là, ça parle du craft du canoë. Ouais. Ça sera le seul véhicule disponible, j'imagine. Oui, oui. Il n'y a pas de 4x4. Non. En bois, non, oh, non. Et donc du coup, j'imagine depuis le canoë, il y a moyen de chasser tu directement les poissons. Chasser. Pêcher, chasser. Pêcher. C'est plus des techniques de chasse pour des poissons aussi, c'est vrai. Mais oui, tout à fait. C'est l'idée. D'accord. Donc là, ça part sur la chasse avec l'arc. Avec l'arc, on pourrait aussi chasser avec la lance, si on veut, ou même des pierres, si on veut. Ça D'accord. fera beaucoup moins de dégâts, bien sûr, mais on pourra toujours balancer des pierres sur les animaux, si on veut. Voilà. Comme les racailles. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais... Et là, tu fais une pause éventuellement sur le FX. Oui. Là, l'intérêt, c'est de voir que, en fait, on ne tue pas pour le plaisir, et on tue même pas pour manger les animaux. En fait, on tue, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'en fait, on n'est vraiment pas dans le monde réel, on est dans un monde spirituel, et en plus de ça, ce sont des pixels, de toute façon. On chasse pour récupérer les esprits des animaux, donc les esprits sont représentés par ces particules bleutées, afin de pouvoir les donner au totem de l'île,
volante sur laquelle on est, là, l'île flottante, en échange de quoi elle va nous permettre de continuer l'aventure sur l'île suivante. Voilà. D'accord, donc on va débloquer les îles en plus. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, chaque île aura son biome principal particulier. Par exemple, pour l'île du Bison, ce seront avant tout des grandes plaines. D'accord, ouais. Pour les ours, ce sera plutôt genre les rocheuses, etc. Bref, des environnements qu'on peut trouver en Amérique du Nord, bien sûr. Et il y aura aussi des biomes secondaires, etc. Voilà, donc ce sera assez touffu. Et surtout, on n'aura pas toujours le même type d'environnement. Ça, ce sera assez appréciable, je pense. Et donc, évidemment, aussi pas la même flore et pas non plus la même faune qui seront adaptées à tel type d'environnement. D'accord. Concernant les pièges, parce qu'on a vu les pièges, mais là, vous voyez toujours qu'on voit un animal mort. Est-ce qu'il y aura un système d'appât, peut-être? Oui. Et qu'on crave des baies, tout ça. Oui, 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 tout à fait. On va pouvoir chasser des. Piéger, pardon, des petits animaux. Avoir pour les gros animaux, mais en tout cas pour les petits, c'est sûr. Aussi bien les moustiques. Donc, plus petit que les moustiques, c'est difficile, mais oui, on pourra piéger les moustiques. Ok. On pourra aussi piéger des perdrix, des lapins, des choses comme ça. Voilà, et j'ai l'impression que quelqu'un pose une question. Oui, il y a Thierryès qui demande, est-ce qu'on pourra récupérer l'esprit des saumons, vu que j'ai remarqué plus loin que ça pouvait se ramasser. Et oui, réponse positive, oui. D'accord. On va faire ça. Exactement. Incroyable. Oui, non, parce que par exemple, sur l'île de l'ours, l'ours, en fait, il a un régime alimentaire omnivore. C'est l'un des rares animaux qui a un régime alimentaire omnivore. Donc, du coup, il faudra lui donner comme offrande des esprits de poissons, entre autres choses, et pas que des baies. Voilà. D'accord. Et donc, en parlant de l'ours, est-ce qu'il pourra nous attaquer ? Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Il y aura différents types d'animaux. Il y aura des animaux qui auront peur de nous, quoi qu'on fasse, ils vont se barrer très très loin, très très vite, comme des lapins, voilà. Des animaux qui vont nous attaquer directement, quoi qu'on fasse, comme des loups, par exemple. D'accord. Et des animaux qui vont rien nous faire jusqu'à ce qu'on commence à les embêter. D'accord. Et comme les bisons, par exemple, hein, ou les ours, et ben là, c'est sûr, si on les titille, ils vont nous charger. Et il faudra faire gaffe. Donc, D'accord, oh, top. Allez, on va continuer à avancer un petit peu, tant qu'il n'y a pas d'autres questions qui tombent. Donc là, oui, bah oui, la pêche, forcément, avec une flèche. Et oui, forcément. L'esprit du poisson, j'avais pas vu, exact. Et donc après, on part du coup sur les pièges à animaux. C'est ça. Alors, c'est un exemple, mais il y a d'autres types de pièges. D'accord. Est-ce qu'il y a un piège pour bison? Ça, c'est intéressant. Non. Ah. Non. Non. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. C'est pas de grande cage, alors. mais là, ce piège-là, ça permet donc de piéger des petits animaux comme des lapins ou des perdrix. Un autre piège que tu vois pas là dans la vidéo permet lui de piéger des insectes, que ce soit des moustiques ou des abeilles, des choses comme ça. D'accord. Des papillons. Ce qui sera utile notamment pour la première île où on démarre, en fait, c'est l'île du corbeau. Et évidemment, le corbeau, il bouffe des insectes. Donc du coup, il faut récupérer des esprits d'insectes. Voilà. D'accord, donc en fait, il y aura par exemple une grande entité en général. Pendant l'île de l'ours, ça sera, on va dire, un ours. C'est ça, ce sera le totem de l'ours. D'accord, il faudra lui faire des offrandes donc, pour avancer, en fait. C'est ça. D'accord. Pour passer d'une île à une autre, mais sachant que. Voilà. Chaque île suivante sera environ 15 à 20% plus grande que l'île précédente. Donc, chaque fois, c'est de plus en plus grand. Et à chaque fois, donc. En finir avec telle ou telle île va demander de plus en plus de temps. D'accord, ok. On a Arkama qui demande s'il y a un système de cueillage, genre une variété de plantes pour concocter des remèdes ou des poisons. Alors, oui et non. On va pouvoir cueillir des baies, on peut déjà le faire. Pareil pour certaines herbes.
mais c'est plus soit pour appâter dans des pièges, soit donner comme offrande. D'accord. Et vu que ce n'est pas en jeu de survie, je répète, on n'aura pas besoin de concocter des remèdes ou des poisons. Ou des, peut-être des poisons, par exemple, à mettre sur les flèches pour tuer plus vite un animal, ou enfin, je sais pas, après. C'est une idée. Éventuellement, enfin, éventuellement. mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais on est en cours de production, donc c'est encore possible d'ajouter cette fonctionnalité, pourquoi pas. Toutes les idées sont envisageables encore. Ouais. D'accord. Donc, le piège. Ah, donc oui, voilà. Tu me disais tout à l'heure, là je vais juste voir ça. Il y a moyen d'attirer des espèces d'abeilles, sûrement. Oui. Des perdrix, comme tu me disais, et des lapins. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ça c'est assez vieux, hein. Depuis, on a amélioré ce piège-là. Voilà. Et maintenant, pour les insectes, on a un piège dédié à part, très particulier, fait à base d'une plante carnivore. D'accord. Qui existe réellement. Et voilà, que l'on craft. D'accord. Et juste une question comme ça, faire un bête. Au niveau des pièges, vous êtes renseigné comment On s'est renseigné sur Internet, dans des livres, dans des documentaires, etc. Ouais. D'accord, ok. Ah, renseignement. Toute une recherche derrière, non ? D'accord. Ah oui. alors certes, c'est un univers onirique amérindien, qui regroupe beaucoup de références de différentes cultures amérindiennes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, en fait. Mais vu que c'est un univers onirique et spirituel, on s'est permis, voilà, licence poétique, voilà, on s'est permis donc de mettre aussi bien sur la même île un totem, il y a au moins un totem par île. Alors que les totems, en fait, ça vient du nord-ouest des États-Unis, Gentitel, etc. Et en même temps, le gros méchant, le némésis du jeu qu'on verra là juste après, vient de culture amérindienne du nord-est des États-Unis. Et il y a aussi des items qui viennent d'autres régions des États-Unis qui n'ont pas communiqué entre elles, parce que ce sont des distances tellement importantes, et en plus, avant l'arrivée des colons blancs, il n'y avait pas de cheval, donc du coup, ils ne pouvaient pas trop voyager sur des centaines de kilomètres, et encore moins des milliers de kilomètres. D'accord. Mais, vu que c'est un univers onirique, on s'est permis ça. Ok, pas de problème. On a encore Arkama qui nous demande, est-ce qu'il y aura un système de familier ? J'aurais bien aimé qu'un loup me suive et m'aide à la chasse. Peut-être. C'est peut-être. On se pose la question. Par contre, ce que l'on va faire, c'est un petit peu comme dans le jeu que vous devez connaître. C'est le GTA de Ubisoft. Le Watch Dogs. Watch Dogs, notamment dans le 2, où il y a un système de course que l'on peut faire. C'est des mini-jeux, voilà, mais c'est très sympathique, et en fait on va aussi mettre ça en place, ce sera totalement optionnel, voilà, ça permet d'enrichir la durée de vie et l'intérêt du jeu, et donc pouvoir incarner, par exemple, corbeau ou tel autre animal, ça sera assez sympathique, avec des temps à faire entre deux checkpoints, et aussi un temps à faire pour avoir tel ou tel plume d'or, ou plume d'argent, ou plume de bronze, etc. Pour aller au bout du parcours, ce sera assez sympathique, ça. Intéressant. Alors, je m'attendais à ce que tu me dises, on va sortir les téléphones portables et tout, mais bon, c'est vrai que je m'emballe peut-être un petit peu. Alors, on va continuer à avancer sur le piège. Sois rusé, utilise ton imagination. Et donc là, c'est la pierre qui tombe sur le bison. Oui, alors, c'est très moche, on sait, mais c'est de voir qu'on progresse sur elle. En fait, c'était pour expliquer un concept qui a pas mal de vent en poupe, et je crois que c'est une bonne chose, qui s'appelle du gameplay émergent. C'est-à-dire que, en fait, notamment grâce à la physique, pas que grâce à la physique, il est possible de mettre en place des éléments de jeu à disposition du joueur afin qu'il
fasse un petit peu ce qu'il veut, comme il le veut, et quand il le veut, pour atteindre ses objectifs qu'il se fixe lui-même, en fait. Voilà. Et d'une manière que nous, les développeurs, on n'a pas forcément prévu, en fait. Et c'est vachement intéressant, quoi. Donc, dans l'absolu, on peut, par exemple, prendre des grandes pierres entre les mains et les poser. Ça paraît tout bête comme ça, mais grâce à ça, par exemple, on peut faire en barrage dans une rivière pour récupérer plus facilement des poissons, par exemple. On peut faire un mur pour se protéger d'animaux ou d'autres choses. Voilà. Bref, c'est donner des outils pour que les joueurs puissent créer des choses auxquelles nous, on n'a pas forcément réfléchi. D'accord. Moi, j'imagine que c'est quand même une pierre dans la tronche d'un bison, c'est plus simple qu'une flèche. C'est vrai, mais bon. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. En fait, l'idée, c'est de démultiplier les possibilités dans un univers qui est basé en grande partie, quand même, sur un monde ouvert. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ce n'est pas du tout un jeu couloir. Dans l'absolu, on peut aller où on veut, comme on veut, quand on veut, sur l'île où on est. Après, pour passer à l'île suivante, il faut avoir fait les offrandes au totem, quoi, mais à la base, c'est totalement ouvert. Quoi. D'accord. Ouais, et donc du coup, ouais, donc il y aura une mécanique au niveau de l'eau, du coup. De l'eau oui, pour faire un barrage pour les poissons, tout ça. Ouais, mais enfin, je veux dire, même si l'eau n'est pas physicalisée avec un système de fluide, etc., ben, vu que les poissons, eux, ne se déplacent que dans l'eau, si on limite leur air de circulation, du coup, c'est plus simple de les chasser, de les pêcher. Ah, c'est pas intéressant. Les poissons ont évidemment une IA qui est déjà mise en place. Voilà. D'accord. On continue à avancer. Et donc là, c'est la plume dans l'arbre. Oui, alors en fait, justement, comme disait l'une des personnes tout à l'heure qui intervenait, il s'agit donc de l'un des nombreux items oniriques magiques à récupérer qui sont plus ou moins cachés dans l'univers. Ils apportent quelque chose, j'imagine. Ouais, alors ça va dépendre des items. Il y a des items qui vont permettre de déclencher des flashbacks par rapport à qu'est-ce que l'on fout ici dans cet univers onirique, alors qu'à la base on est dans le monde réel. Voilà. Donc ça permet de découvrir au fur et à mesure de l'avancée dans l'univers pourquoi est-ce qu'on est ici, en fait. D'accord. Voilà. Et puis il y a d'autres items que le chaman Crazy Hole, joué par PNG, nous demande pour accomplir telle ou telle quête. Voilà. Ok, d'accord. Donc j'imagine que vous avez peut-être dû créer quelque chose de spécial, peut-être pour monter à l'arbre. Je pense que ça doit pas être facile. On a pensé évidemment la faisabilité, la technique, et là, par exemple, en l'occurrence, ce que tu vois, bon, c'est une progresse, je répète, il est possible donc de faire tomber une pierre, boum, ce qui nous permet de grimper dessus pour pouvoir ensuite grimper sur la branche d'arbre, pour ensuite pouvoir récupérer la plume. Bon, je précise, c'est de work in progress, et en plus, c'est la première île volante. D'accord. Donc, l'idée, c'est que les îles suivantes soient de plus en plus difficiles, bien sûr. Ok. Alors, ensuite, donc là, on a quelque chose que tu m'as expliqué aussi en off. Je n'avais pas vu, c'est le cercle. Le cercle chamanique, ou autrement dit, le cercle de médecine. D'accord. Oui, alors en fait, à certains endroits dans les îles, il y aura ce type de cercle où en fait, si on est au centre et qu'on regarde autour de soi, il peut être possible de trouver une forme particulière. Qui sera alors mise en valeur par un FX, et ce FX nous permet d'indiquer une direction, par exemple. Et là, en l'occurrence, le FX souligne la silhouette d'un corbeau, et après monte au ciel et nous indique la direction à suivre pour poursuivre le jeu de piste. Il y aura des énigmes où ce sera une sorte de puzzle, d'autres énigmes, ce seront des jeux de piste, en fait, il y aura un petit peu de tout. Mais l'idée, c'est pas du tout d'en faire un jeu. Ça y est, j'en souviens.
dans jeu façon The Witness, qui est très très bien, mais c'est en jeu purement de puzzle. Voilà. Nous, c'est plus pour saupoudrer tout ça, un petit peu comme certains Tomb Raider. Voilà. Ok, ouais, un peu. Mais par contre, toujours basé sur de l'onérisme, et évidemment en rapport avec les Amérindiens. Donc ça signifie qu'il n'y a aucun objet en métal ou moderne, il n'y a pas d'électricité, etc. Du coup, la question que je me suis posée aussi en voyant ça, c'est qu'est-ce qui peut nous attendre au bout du chemin, du coup. Mystère. Pour les plus vieux qui connaissent, ça sera pas un rideau avec quelqu'un qui veut dire quelque chose derrière, mais... Là en l'occurrence, là pour le corbeau, là c'est un jeu de piste, il y a plusieurs étapes. Et à chaque fois, évidemment, il ne s'agit pas toujours de trouver des formes dans la nature. Mais à chaque fois, ce sont des choses différentes. Ça permet aussi de se plonger davantage dans l'ambiance assez zen, assez relaxante, voire même contemplative à certains égards, pendant la journée. Pendant la nuit, c'est une ambiance tout à fait différente, parce qu'il y a un cycle jour-nuit, et pendant la nuit, c'est assez stressant, ça peut être assez stressant. C'est moins la rigolade. Voilà, dire ça. Et du coup, là, donc la forme de corbeau, est-ce que, imaginons, tu nous as dit que c'est la première île, il y aura sur la première île que des formes de corbeaux à trouver, ou est-ce qu'il y aura d'autres formes d'animaux? Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais non, la première île, ce sera la moins complexe de toutes les îles, de toute manière, et donc le niveau des énigmes ne sera pas bien élevé. Voilà. D'accord. Alors ensuite, je ne sais plus où est-ce qu'on en est dans la vidéo. Et là, c'est le passage de nuit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un cycle jour-nuit, où la nuit va durer moins longtemps que le jour, mais durera quand même un certain temps. Voilà. Et donc, ce n'est pas un jeu purement d'action, hein, vraiment pas. Hein. C'est un jeu avant tout, comme je l'ai dit, c'est vrai de me répéter, d'exploration-aventure. Mais pendant la nuit, il y aura des items, des objets collectés dans la forêt, qui n'apparaissent d'ailleurs que la nuit dans la forêt, c'est pas de chance quand même. D'accord. Parce que, en fait, c'est aussi la nuit dans la forêt qu'apparaît le némésis du jeu, qui s'appelle le Wendigo. Le Wendigo, c'est une créature fantastique de légende amérindienne, qui est une espèce de monstre à mi-chemin entre un homme gigantesque et un cerf, mais cannibale, évidemment. Si c'était pas cannibale, ce serait pas assez rigolo. Donc qui poursuit les malheureux qui se sont perdus la nuit dans la forêt. Et donc du coup, c'est pas un jeu d'horreur, voilà, il y aura pas de sang, c'est plus du stress qu'autre chose. Et donc pour les passages de nuit, pardon, je dirais davantage que c'est du stealth, c'est quoi, comment on dit en français? La fois, je crois que tu avais parlé de Slenderman. Oui, c'est une référence, Slenderman, parce que Slenderman, ce qui est intéressant, c'est que on sait jamais quand il va apparaître, au détour d'un arbre, etc. Alors que nous, le Wendigo, si on n'est pas trop couillon, on peut l'éviter, soit en se la jouant discret, en passant d'un forêt à un autre, etc. Voilà. Et puis aussi on peut s'en protéger un minimum. Je vais pas tout spoiler non plus, mais notamment, il craint le feu. D'accord. Sauf que, évidemment, les torches ont une durée de vie limitée. C'est ça. Ouais. Et puis il nous suit, s'il nous a capté dans la forêt, après il nous suit en dehors de la forêt. D'accord. Il y a Thiriez qui demande si on peut pas voir le grand méchant comme une métaphore de la fin. Notre personnage gagne au fur et à mesure. Alors, dans la légende, dans la véritable légende amérindienne, exactement, c'était ça. Nous, pas vraiment. Parce que on est dans un monde onirique où en fait on n'a pas besoin de manger. Voilà. Mais la légende amérindienne du Wendigo veut que, en fait,
C'était une histoire que racontaient les anciens pour qu'en période de disette, en plein hiver, les Amérindiens ne se bouffaient pas entre eux. Voilà. Pour empêcher le cannibalisme, l'idée c'était que, ben voilà, souvenez-vous de cette légende qui veut que c'est un Amérindien qui en a mangé un autre en plein hiver, parce qu'il n'y a plus que ça à manger, du coup il est devenu un Wendigo. Donc si vous voulez pas finir comme lui, en plus manger par un Wendigo, eh ben ne mangez pas vos prochains. Moi j'ai pas vos morts non plus. Voilà. C'est d'accord. D'accord. Donc voilà, donc du coup c'est un petit peu le némésis du jeu, dans le sens où on revient toutes les nuits dans la forêt, et manque de bol, on peut très bien ne pas aller dans la forêt, mais sauf qu'il y a Visitan qu'on va collecter pardon, dans la forêt. Et c'est un némésis dans le sens où en fait non seulement il est immortel, voilà, ça sert à rien de lui tirer des flèches, ça en fiche complètement, ça rebondit, ça, voilà. Mais en plus de ça, il nous donne un coup. On meurt entre guillemets directement, on perd directement. Donc faut faire attention. Voilà, infiltration. Voilà, en français, stealth c'est infiltration. Voilà, donc c'est plus de l'infiltration pendant la nuit qu'autre chose. Mais après, il faut être aussi un petit peu malin quoi. Parce qu'il y a différentes manières de feinter le Wendigo. Par exemple, on peut envoyer une pierre pour l'attirer autre part alors qu'on passe. Autre part, en voulant qu'ils se déplacent, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs manières de trouver des parades. D'accord. Alors, on va reprendre, on était à 3 minutes 20. Et donc ensuite, ça part en... Ah, le mode photo. Ouais, bah en fait, le mode photo, il faut voir ça un petit peu comme les modes photo de Assassin's Creed, enfin des derniers Assassin's Creed ou des derniers Tomb Raider. Par exemple, ou encore même du dernier Zelda sur Switch, où il y a aussi un mode photo. C'est un petit peu différent dans le dernier pardon, Zelda, parce que dans celui-ci, on peut récupérer une boîte magique pour faire des photos. Voilà. Mais par contre, dans Assassin's Creed ou dans Tomb Raider, en fait, les personnages n'ont pas de pareil photo. Donc du coup, en fait, on peut déplacer la caméra un petit peu comme on veut, dans une sphère tout autour du personnage. Pour prendre le personnage en photo ou prendre ce que l'on veut en photo d'ailleurs. Donc du coup, bah, c'est ce que l'on a mis en place. Ça permet aux joueurs de pouvoir se faire ses propres clichés, pouvoir les enregistrer, s'en servir un peu comme fond d'écran, etc. Pour pouvoir, après pourquoi pas les montrer sur les réseaux sociaux s'il le veut, etc. Et on a donné quand même pas mal de possibilités en termes de paramétrage pour les amateurs de photos. Voilà, que ce soit par rapport à l'exposition, au grain, à la température de l'image, à la profondeur de champ, bien sûr. Pour pouvoir mettre le premier plan ou l'arrière-plan plus ou moins flou, etc. Il y a aussi des filtres à votre disposition, sépia, niveau de gris, etc. etc. Donc c'est quelque chose de totalement secondaire, qui n'est pas utile pour le jeu, pour la progression dans le jeu en tant que tel, mais c'est un truc qui je pense peut faire la différence avec pas mal de jeux indépendants à monde ouvert qui n'ont pas forcément ce type de fonctionnalité. Voilà. C'est du bonus, voilà. D'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Oui, le déplacement de la caméra au niveau du mode photo, ça sera dans un périmètre restreint ou... Oui. Ce sera une sphère autour du personnage, de manière à ce que... Eh ben en fait, on ne spoil pas le joueur, parce que si le joueur pouvait se rendre où il voulait, quand il voulait, ouais. Sur l'île, c'est vrai. Eh ben ça va spoiler l'histoire, en fait. C'est vrai. Donc, c'est pour ça. Et là encore, on reprend ce qu'on fait le dernier Assassin's Creed ou Tomb Raider, qui sont des triple A à plusieurs millions de budget, et je rappelle que nous, on a 0€ de budget. Mais... voilà. Voilà pour la comparaison. Mais comme quoi, avoir du budget, c'est une chose, mais c'est pas forcément la contrainte la plus importante pour faire un jeu. C'est clair. Et j'ai une question aussi, du coup, avec le mode photo encore.
Le mode photo de nuit pour faire des photos du Wendigo, possible ou pas? Possible, mais à risque et péril. voilà. Mais après, c'est vrai que quand on déclenche le mode photo, tout est en pause. D'accord. On pourra pas tout mis en pause. D'éclater pendant qu'on fait une photo. Non, mais après, il y a vite intérêt à récupérer sa torche. parce que sinon, c'est compliqué. D'accord. Et sinon, oui, dans l'absolu, ce serait possible. D'accord, pas de soucis. Alors... Et vu que c'est en pause, bah en fait, il est possible aussi de trouver, enfin de prendre une photo du Wendigo qui s'apprête à t'arracher la tête entre guillemets, pile au moment qui va bien, tu vois. Ce serait possible, dans l'absolu. Ça pourrait être marrant ça. Merci beaucoup Redneck Wolf pour l'hébergement de la chaîne. Ah, merci. Donc oui, ouais, ça pourrait être marrant. Est-ce qu'il y a un système, quand, si jamais ils nous arrachent la tête, comme dans certains jeux, où on voit l'arrachage de tête, ou pas du tout? Non, je plaisantais, il n'y aura pas d'arrachage de tête. Ce sera pas gore, il n'y aura pas de sang, parce que c'est un monde onirique, en fait. Donc du coup, en fait, on ne tue pas vraiment des animaux, on récupère leur esprit, en fait, quelque part. Peut-être qu'il aurait pu arracher la tête du joueur, que ce soit pas du sang, mais de la marque onirique qui s'en va. Non. Bah, ça, on peut le voir plus tard dans le monde multijoueur. Où en fait, quand le Wendigo tue, entre guillemets, un personnage, celui-ci disparaît, se désagrège en particules, tout comme d'ailleurs les animaux qu'on tue, entre guillemets, dans le jeu. D'accord. On va avancer un petit peu. Ouais. Et là, je pense qu'on va passer à l'un des plus gros... à savoir le mode multijoueur, en fait. Ah oui. Alors, le mode multijoueur, c'est un peu particulier. On n'est pas encore sûr à 100% si on va pouvoir le mettre, parce qu'on a un peu peur de la réaction de certains joueurs, pas d'amalgame, qui pourraient avoir des attentes déraisonnables par rapport à nos capacités, dans le sens où, évidemment, ce sera moins réussi, sans doute moins réussi, que des jeux comme Evolve ou Dead by Daylight ou Vendredi 13, parce qu'on n'a pas leurs ressources, tout simplement. Et c'est vraiment un mode de jeu secondaire. Voilà. Donc ça signifie que c'est pas de la coop, c'est un mode de jeu particulier, voilà, au gameplay particulier, où c'est asymétrique. Il y a un joueur qui joue le rôle du Wendigo, qui doit, comme on peut le voir là, qui doit attraper, qui doit tuer les Amérindiens. Et les Amérindiens, eux, ils sont quatre, et ils doivent récupérer des items répartis en random sur la map. Et les donner donc à Crazy Hole au Shaman. Et tout ça dans un temps imparti, de 5 minutes. D'accord. Et au bout de 5 minutes, t'as le soleil qui se lève, et donc du coup le Wendigo disparaît, parce que le Wendigo disparaît dès que le soleil arrive, en tous les cas, même dans le jeu solo. Et il réapparaît quand la nuit arrive dans la forêt. Ah, donc ça fait des parties très courtes en fait. C'est ça, de 5 minutes, l'idée c'est de pouvoir les enchaîner, et que une personne qui était amérindien un tour, puisse l'autre tour de finir le Wendigo par exemple, et réciproquement. Pas mal. Et donc ça permet d'avoir un plaisir différent du solo, très 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 différent. C'est voilà, il n'y a pas d'énigmes, il y a pas voilà. L'exploration c'est super rapide, il n'y a pas de chasse. Et évidemment ça sert à rien d'essayer de combattre le Wendigo, on ne peut que tâcher de s'en protéger, notamment avec des torches et pas que. Et c'est aussi d'infiltration, et il y a aussi des pouvoirs magiques, des pouvoirs spéciaux que l'on a, que l'on peut récupérer dans le mode multijoueur, qu'on ne va pas récupérer dans le mode solo. D'accord. Comme le fait par exemple d'être quasiment invisible à 100% pendant 30 secondes, ou avoir sa vitesse qui augmente vachement vite pendant 30 secondes, ou être invincible pendant 30 secondes, etc. etc. En récupérant, tu as vu là, des plumes d'aigle spéciales. C'est ça, oui. Bonsoir à toi, Zeroth, du coup. Ouais. Et donc, du coup, voilà, quand on voit le Wendigo courir derrière l'autre joueur,
qui a sa torche dans les mains. Du coup, en fait, il y a quand même un effet. Oui. D'ailleurs, si tu peux faire éventuellement une petite pause quand on voit le chaman, Crazy Hall. Oui. Tu peux voir juste sur la gauche la jauge de vie, entre guillemets, de jauge de karma, et avec à sa droite une petite jauge de stamina. Je suis devant, c'est pour ça. Attends. Voilà, je suis. C'est pour ça. Au revoir. Voilà. Voilà, en gros, ça donne ça. La jauge de vie baisse évidemment quand on perd de la vie. Le jeu stamina, c'est quand on fait quand on court ou quand on nage vite, ce genre de choses. Voilà, mais on a aussi une autre jauge, que là on n'a pas vue, et qu'on verra pas dans la vidéo, qui est... Ah si, on la voit rapidement. C'est quand on nage sous l'eau. Quand on nage sous l'eau, on a la barre d'oxygène, enfin la barre d'air plutôt, qui s'affiche, qui a un temps limité. Où est-ce qu'elle est, bonne question. Et quand la barre d'air est vidée, alors ça entame automatiquement la barre de karma. La barre de vie, si vous voulez. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on voit sur le côté, du coup. Mm. Ouais, je suis devant, je cache tout, je cache la moitié des choses. mais non. On va faire un petit vote. Est-ce que les gens veulent voir ma tête? Non. Allez, salut. Non, ouais, c'est bon. c'est pas grave. Et voilà. Voilà pour le mode multijoueur, en gros. Évidemment, pour le mode multijoueur, on aura aussi donc la barre de vie et la jauge de stamina. La jauge de stamina sera importante, bien sûr. La barre de vie, beaucoup moins. Évidemment, on pourra perdre de la vie si on saute de trop haut aussi, mais sinon, il nous donne un coup le Wendigo, on perd directement. Donc, d'accord, ok, ouais, même dans le mode multijoueur, une claque c'est fini. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, faudra se coordonner, etc., avec les autres, que l'un attire s'il est en mode invincible, pendant que les autres en profitent pour rechercher à droite à gauche, etc. Voilà. Ah, oui, mais... Zerod, j'ai pas mal d'erreurs sur le logiciel, je comprends pas ce qui se passe. Je crois malheureusement que ça vient du fait que tu streams de YouTube. Du coup, non ? Non, là j'ai que Twitch, mais je comprends pas. Il me dit que j'ai des problèmes. Je comprends pas. Je comprends pas du tout d'où ça vient. Bon. Désolé pour ce petit désagrément pour le coup. Chose qui ne m'arrive jamais. Je prévois quelque chose de lourd et voilà, c'est la merde. Comme d'habitude. Non. Non, ça va aller. À mon avis, je peux te tromper, mais à mon avis, je crois que c'est lié au fait que tu streams aussi à partir de YouTube. Enfin, avec YouTube. Ça doit jouer, je pense, parce que je sais que t'as la fibre. Mais. Et YouTube est démarré là ? Normalement, non. En tout cas, toute la vidéo, elle est sur YouTube. Je ne sais pas. Ah, la vidéo. Ah non, c'est Shadow, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, normalement, il y a zéro souci avec Shadow. D'habitude, je joue avec, il n'y a pas de problème. T'inquiète. D'accord. Ok. T'inquiète pas. C'est le même principe que j'utilise d'habitude. Normalement, ça fonctionne. Donc, ouais, désolé du coup, Zerod, pour ce défaut du coup. Et donc, du coup, le final de la vidéo, ça finit sur toutes les autres îles. Non. En fait, ce sont différents décors, on va dire, que l'on peut trouver sur l'île 1, en fait. Tout ça, on peut trouver ça sur l'île 1. D'accord. Donc, des passages souterrains aussi, il va y avoir ça. La forêt, la plaine, etc. Donc, tout ça, c'est sur l'île 1. L'île 1 est déjà elle-même assez costaude, hein. D'ailleurs il y a une presqu'île au nord et une presqu'île au sud. Au nord là c'est à droite, au sud là c'est ce que l'on voit sur la gauche. Et tout ça c'est une seule île, voilà. Et après les autres îles seront bien plus importantes. D'accord. Au fur et à mesure. Ah, c'est déjà tout ce qu'on peut trouver sur la première île, j'imagine que ça va déjà être pas mal grand. Oui, et encore là t'as rien vu par rapport à
à tout l'aspect souterrain. Qui est assez sympathique, je pense. Oui. On peut la retrouver. Et voilà. Et puis, je t'ai aussi envoyé donc un petit dossier avec des images. Et notamment des... images du jeu vidéo. Alors. Pour ça, il faut que j'aille sur mon bureau, oui. Je mis sur le bureau. Donc, alors là, à mon avis, il y aura zéro problème de frame rate. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est sympa ton retour d'écran. Ah oui, bah, je suis sur Shadow, j'ai mis Shadow, forcément. Donc ça, du coup, c'est le résultat direct de la... Désolé pour la barre à droite, là. Voilà. Non plus. On va rester là. Souris, on peut la sortir là. Très bien. Donc ça, du coup, c'est le résultat du mode photo qu'on a vu juste avant. Ouais. C'est ça. Plutôt pas dégueu. Ouais, mais après voilà. Là, il y a quand même... Ça pète un petit peu, quand même, au niveau des couleurs. Mais il y a moyen de régler ça dans le mode photo. Hein. Oui, j'ai vu, il y a du noir et blanc, du négatif. Il y avait l'exposition, tout ça. Ouais, ouais. Exactement. Avec bien contraste, sûr. Composition. Ensuite, la suivante. Voilà, on ne cherche pas trop à se comparer au triple A de manière générale, voilà. Mais je pense qu'en matière du mode photo, on ne sera pas si éloigné que ça des modes photo des triple A. Voilà, c'est un petit peu le seul, le seul aspect sur lequel on peut être à armes égales, on va dire, avec les productions qui sont sans commune mesure avec la nôtre. Joli petit pied de nez en tout cas pour des indépendants. Ensuite, donc là on a les personnages, à peu près la taille des personnages. Ah, j'ai un bon décalage avec toi. Ah, voilà, c'est ah oui. Alors, ça en fait, il s'agit de l'une des deux DA ou direction artistique pour les cinématiques calculées. Donc là, c'est ce que l'on appelle la DA, la peinture rupestre. Donc les peintures rupestres, vous savez, hein, c'est les grottes de Lascaux, etc. C'est fait par des hommes préhistoriques. Mais il se trouve que, et c'est pas étonnant vu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux Amérindiens, ils faisaient encore des peintures rupestres il y a seulement quelques centaines d'années. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut trouver finalement pas mal de peintures rupestres en Amérique du Nord. Caverne, mais aussi même directement à l'air libre. Et donc du coup, c'est un clin d'œil à cela. Et aussi, il faut pas se le cacher, parce que bah, évidemment, faire un dessin comme ça demande beaucoup moins de temps que de faire un dessin réaliste. Voilà. Oui, oui. Donc ça fait d'une paire de coups. Et l'idée en fait, c'est que 90% des vidéos, enfin en tout cas toutes les vidéos flashback qui seront diffusées quand on trouvera telle ou telle plume d'aigle seront faites avec ce type de direction artistique pour nous remémorer comment on a fait pour atterrir ici, dans cet univers onirique. D'accord. Donc oui, il y a une vraie histoire avec des personnages principaux, des personnages secondaires, etc. Donc on voit qu'il n'y a pas que le joueur, le Wendigo et Crazy Hope. C'est ça. Sauf que les cinématiques seront non interactives. Voilà, ce seront d'accord. Visibles. Alors ensuite, on a un autre work in progress avec 4 personnages. Ce sont des personnages en noir et blanc. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ça arrive. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme 15 ou 20 secondes d'écart. Avec... Mais bon. D'accord. Alors là, c'est le style réaliste, entre guillemets. Donc ce sont les personnages principaux, en tout cas dans le monde réel. Donc on dirait pas comme ça. Mais en fait, il s'agit d'une enquête policière. D'accord. Voilà. C'est une enquête policière, en fait, et qui a mal tourné, et au final, on se retrouve dans ce monde onirique amérindien. Voilà. Entre la vie et la mort. Voilà. Et donc, dans le jeu vidéo, on va incarner le personnage central, là, un petit peu sur la gauche, qui s'appelle Thomas Wilde. Thomas Wilde, qui a une cravate, voilà, et puis un petit badge. Sur le revers de sa chemise, enfin de sa veste.
Et donc Thomas Wilde et sa coéquipière qui a sur notre gauche, oui, Cecilia Castro, eh bien, ce sont deux agents du BIA. BIA, ça veut dire Bureau of Indian Affairs. C'est une agence fédérale américaine qui existe réellement. D'accord. Qui est en charge de tout ce qui est affaires amérindiennes. Voilà, essentiellement, donc, ils gèrent tout ce qui est aide financière pour l'éducation, etc. Mais aussi l'aide pour tout ce qui est sanitaire, médico-sociaux, etc., etc. Et en fait, ils ont aussi un département dans leur structure pour tout ce qui est enquête. Enquête au niveau fédéral, voilà. C'est-à-dire que, certes, le FBI a droit d'aller enquêter partout aux États-Unis, voilà, mais pour des raisons politiques, voilà, on va dire ça comme ça, ils préfèrent confier toutes les enquêtes du ressort fédéral qui ont lieu donc dans les réserves amérindiennes, ils préfèrent confier ça au service du BIA. D'accord. Ils connaissent beaucoup mieux les populations autochtones, et voilà. Et donc, du coup, y a des agences, enfin, il y a donc des agents de terrain, notamment, mais pas que. Et nous, on incarne donc Thomas Wilde, qui, avec sa coéquipière, est un agent spécial du BIA. Alors, agent spécial, je vais détruire un mythe, là, désolé, mais agent spécial aux États-Unis, ça veut pas dire qu'il est meilleur que les autres, ça veut juste dire qu'il est habilité à aller travailler dans tous les états des États-Unis. Alors que les agents normaux, ils sont, entre guillemets, ils sont attribués à tel ou tel bureau, de tel ou tel état. Voilà. voilà. Donc ça quitte un petit. Donc du coup, là, j'ai un petit peu cassé le mythe du spécial, c'est juste qu'il a l'idée à travailler partout. C'est tout. D'accord. C'est comme ça. Et donc, du coup, ils sont tout jeune, vraiment tout frais, émoulu de leur formation du BIA, ils sont appelés donc à se rendre dans une réserve amérindienne où il y a une série de meurtres mystérieusement mystérieux. Voilà, ça les façon un petit peu X-Files. Voilà. Et donc, du coup, il y a les agents, non pas Mulder et Scully, mais Thomas Wilde et Cecilia Castro, qui sont appelés à la rescousse pour essayer de démêler tout ça. Voilà, ils commencent leur enquête à interroger des personnes, voilà, parce qu'il y a eu trois chefs amérindiens qui ont été tués de manière très très particulière. Il y en a un, il a été tué dans sa chambre d'hôtel, du casino hôtel de la réserve amérindienne, alors que la porte était fermée de l'intérieur, il a été découpé de façon hachée par mentier, spécial. Le deuxième, il a été haché menu sur le chemin entre le casino et un lieu où il y a des totems. Et le troisième, pour faire quelque chose de très très grand public, n'est-ce pas, il est retrouvé empalé en haut d'un totem. Sympathique, hein. D'accord. Donc oui. C'est très très grand public. Et c'est-à-dire qu'en fait, même s'ils voulaient se faire ça eux-mêmes, ils y seraient pas arrivés, quoi. Donc, c'est quand même très bizarre. Voilà. Ouais, je lisais ce que disait Silvery, je suis d'accord avec lui. Ils interrogent des témoins potentiels, ils s'intéressent à tout ça. Et rapidement, en fait, il y a la coéquipière, donc Cecilia Castro, qui est, elle, métisse amérindienne, elle est à moitié amérindienne, alors que nous, Thomas Wilde, on est en blanc, comme ça, voilà, qui apprécie beaucoup les Amérindiens, mais on n'a pas de sang amérindien, voilà. Il y a des gens de la réserve qui l'ont invité à aller découvrir son animal totem en vision dans une hutte de sudation. Et en fait, ça se passe pas très bien, et elle tombe dans le coma. Sans doute, peut-être parce qu'il y a eu des choses bizarres qui ont été
utiliser pour la séance. Et donc, du coup, il y a Thomas Wald qui l'accompagne à l'hôpital. Tout ce que je dis, ça, on va le voir dans la vidéo d'introduction, la cinématique d'introduction au jeu vidéo. Et là, quoi, il ne peut pas faire grand-chose de plus qu'attendre, parce que voilà, sa coéquipière est dans le coma. Et il se dit au final que, tant qu'à faire, autant essayer de continuer à mon échelle tout seul l'enquête. Et donc il retourne à un moment donné à la réserve amérindienne. Et peu de temps plus tard, manque de bol, c'est lui qui est dans le coma. Pas de chance quand même. Voilà, c'est comme ma ville, c'est spécial. Et c'est là où on commence à contrôler, c'est-à-dire quand on arrive dans le monde onirique de Hunting Grounds of the Great Spirit. Et l'idée, en fait, c'est que grâce au flashback, il va tâcher de recoller les morceaux, comment et pourquoi il est tombé dans le coma. C'est-à-dire qu'il va tâcher de se rappeler toutes les preuves et les indices qu'il a récoltés au fur et à mesure de son enquête, et qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé dans le coma. D'accord. Et comme ça, après, directement ou indirectement, l'idée, c'est qu'il y ait une résolution de l'enquête policière. Même si on est dans le monde onirique et spirituel de Hunting Grounds. Ok, donc ça va se recouper par rapport à un monde réel. C'est ça, durant un rapport. Voilà, c'est un petit peu l'idée. On a Amy qui nous dit « Bonsoir Amy, l'ambiance du jeu a l'air cool ». Oui, ça c'est sûr. Merci. Bah voilà, c'est un rapport entre le monde réel et le monde onirique de Hunting Grounds. Et Arkama qui nous dit « Est-ce qu'on aura un DLC avec un skin de Yakari et de petits tonnerres pour les cheveux ?» Chevaux. Ça aurait été rigolo. À voir. mais sinon, non. D'ailleurs, à ce propos, il n'y aura pas de chevaux. Hein, a priori, sauf DLC pour rigoler, quoi. Mais a priori, non. Il n'y aura pas de chevaux parce qu'en fait, ce sont des colons blancs qui ont ramené les chevaux en Amérique. Et en fait, l'idée, c'est de faire un jeu hors du temps. Qu'on ne peut pas mettre à partir du 18e siècle. Voilà. Mais qui est préexistant même à l'arrivée des Blancs en Amérique. Et donc ça signifie que oui, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de chevaux, etc., etc. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une deuxième... un deuxième tapissage des personnages. Attends que ça t'arrive. Oui. Voilà, ça y est, ouais, ce sont les personnages secondaires pour le style peinture rupestre. Voilà, avec des personnages auxquels on aura toujours plus ou moins affaire pendant l'histoire dans le monde réel. Voilà, donc du coup, on les verra que en flashback. D'accord. On les verra aussi un petit peu au début, des fois un petit peu, un petit peu au début au niveau de la vidéo, la cinématique d'introduction qui sera en image réelle entre guillemets, c'est-à-dire avec la DA réaliste pour les dessins, et il y aura cette même DA réaliste aussi pour les différentes conclusions, parce qu'en fonction de nos succès ou pas, on va balancer telle vidéo à la fin. D'accord, donc il y a possibilité de multiples fins. C'est ça, il y aura plusieurs fins possibles. Oh, excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, encore du décor du jeu. Bah, je te laisse passer, parce que... D'accord. Les lumières sont jolies, hein. Moi, j'aime bien. Bah, merci. Comme je te disais la dernière fois, sur UE4, et les blueprints, quel bordel. Ah ouais, c'est pas évident, mais bon, j'ai de la chance d'avoir dans l'équipe deux personnes qui s'y connaissent très bien, très compétentes, bien que autodidactes, comme quoi il est possible aussi de faire des choses pas dégueulasses en étant autodidacte. Donc à savoir JB et David, qui s'y connaissent très très bien en blueprint, et qui travaillent sur le blueprint
avec le blueprint, aussi bien pour les, mettre en place le gameplay que l'IA des animaux, que gérer les menus, les sauvegardes, etc., etc. Bref, ils font tout avec le blueprint. D'accord. La Sylvie qui demande si dans les cinématiques on verra des images de la vie des agents spéciaux avant leur enquête. Oui. Un petit peu. Oui. Pour pouvoir mieux contextualiser et pouvoir mieux comprendre la personnalité. Surtout de Thomas, évidemment, parce que c'est lui qu'on incarne. Verra-t-on de la civilisation pure ? Je ne sais pas. Quoi, bon, peut-être on verra du monde, peut-être dans le monde réel. Dans le monde réel, pur, je sais pas si on peut appeler ça pur, mais enfin en tout cas, l'enquête dans le monde réel se fera donc dans une réserve amérindienne, mais de nos jours. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'il y a aussi un casino hôtel, voilà, c'est pas ancestral, loin de là. Mais oui, on aura affaire à des Amérindiens contemporains dans le monde réel. Et par contre, de manière interactive dans le monde spirituel de Hunting Grounds, on aura affaire que à, en tant qu'humain, on aura affaire que au chaman Hunting Grounds, au chaman Crazy Hole. D'accord. Ah. Ah, voilà, quelqu'un qui sera un petit peu notre pire ennemi. Ah, tu dois parler du Wendigo. Exactement. Nouveau follow. Merci, Jo la Rafale, pour le nouveau follow, ça fait plaisir. Ouais, bah, qui s'y froid typique. Voilà, on va faire attention à ce personnage. Et comme ça, il a l'air fâché. Ouais, pas simple. C'est le Némésis du jeu, en fait. Et qui revient toutes les nuits, en plus. D'accord, il n'y a pas le choix de... Il y a pas le choix. Voilà, et... Mais par contre, oui, effectivement, il n'apparaît à la base que dans les forêts. D'accord. Après, il peut tout à fait sortir des forêts s'il nous a capté dans la forêt et qu'on sort de la forêt. Il nous suit. Ce serait couillon de faire en sorte que... Non, il ne va pas nous suivre. Non, il nous suit. Par contre, oui, on peut s'en prémunir. Voilà, par exemple, il n'aime pas trop l'eau. Je suis d'accord. Comme ça. D'accord. On a des petits tips. Ah, il y a des petits tips. Qu'on va apprendre aussi au fur et à mesure du jeu. Alors là, je vois quelque chose. Je crois que j'avais pas vu ça avant. Donc attends, faut que je te décale du coup. Mmh. Hop, en bas à droite de l'image, il y a un petit logo. J'imagine que le Wendigo aura un petit pouvoir ou... Exactement. Exactement. En fait, le Wendigo dans le mode multijoueur, entre guillemets, parce que... On n'est pas encore sûr à 200% de le mettre dans le jeu principal, ce mode de jeu multijoueur, ou éventuellement d'en faire un jeu à part, on ne sait pas, on verra. D'accord. Eh bien, le Wendigo donc a un pouvoir spécial qui est d'augmenter sa rapidité pendant 30 secondes, sauf que ça met 40 secondes environ, ou 50 secondes, je ne sais plus, à vérifier, à se recharger. D'accord. Voilà. Donc il y a un cooldown, alors que les personnages humains qu'on va incarner, eux, ils n'ont pas de cooldown, mais par contre, c'est du one time, c'est-à-dire que... on parle en franglais. C'est-à-dire que les pouvoirs les déclenchent quand ils veulent, mais c'est utilisable une seule fois. D'accord. Mais après, il faut se rappeler que de toute manière, Les parties multijoueurs ne durent que 5 minutes. Oui, voilà. Voilà, après je crois que tu montres d'autres images du jeu vidéo. C'est ça. Le mode photo, le mode multi. Mmh. Voilà le corbeau. Là, les grottes. Les armes. Donc l'arc, la lance et le tomahawk. Ouais. Voilà, je crois que ça se finit là d'ailleurs. D'accord. Bon, oui, enfin, je ne peux plus cliquer. Voilà, très bien. Alors, voilà pour le jeu vidéo. Après, oui, je t'ai envoyé des sous-dossiers
pour montrer d'autres projets sur lesquels on bosse avec des équipes dédiées, toujours dans un esprit transmédia. Lequel tu veux discuter en premier? Déjà, peut-être, si tu permets, peut-être qu'on pourrait demander aux viewers s'ils ont des questions, des choses comme ça, relatives aux jeux vidéo, avant qu'on passe à la suite. Pourquoi pas, vendu. Donc, avez-vous des petites questions relatives aux jeux vidéo? Ok, nous écrivent ce que ça leur arrive, qu'ils nous écrivent ça, que ça arrive. Bon. Donc ça vienne. Ou pas. Vous n'avez pas de questions, vous pouvez mettre. C'est vrai qu'on a été quand même assez explicite, hein, je pense. Parce que oui, une heure et demie sur le jeu, je pense qu'on a. Ouais. Ouais, on l'a bien poncé quand même. Oui. Et vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'autres choses à découvrir. Hein. Voilà. Je vous ai pas tout spoilé. Alors, pour Silvery, pour lui, c'est clair. Il y a Joël Rafale qui est devant. Depuis combien de temps vous bossez là-dessus? Alors, en fait. J'ai commencé sur une première version avec des personnes à l'époque, sur Unity, tout début 2016. Donc ça remonte. Depuis, il y a eu forcément du turnover dans l'équipe, mais il y a des personnes qui sont avec moi depuis 3 ans. Depuis 3 ans, comme JB. L'un des deux codeurs, Blueprint. Et en fait, les choses se sont vraiment accélérées. Je dirais en octobre dernier, octobre 2019. Ça s'est vraiment, vraiment, vraiment accéléré à ce moment-là. Parce qu'il y a eu des personnes qui nous ont rejoints, qui ont énormément boosté la production. Je pense notamment à deux personnes. Je pense à David, codeur, le 4. Et je pense aussi à Alexis. Alexis Karoff, qui nous a rejoint en tant qu'environnement artiste, mais pas que, qui fait un travail de malade et qui nous a fait bien, bien, bien avancer. D'accord. Donc, du coup, après, du Unity, t'es passé à Unreal Engine, du coup. Ouais, c'est ça, parce que, en fait, bon, ce sont les deux moteurs les plus utilisés de nos jours de manière générale, mais c'est parce que. En tout cas, à l'époque, UE4 permettait de gérer quand même mieux les grands espaces ouverts. Et vu que ce sont des mini-mondes ouverts que l'on fait pour chacune des îles, on avait besoin de ça. Et en plus de ça, il y a aussi un outil extrêmement intéressant de sculpture du terrain. D'accord. Qui n'y a pas, ou en tout cas... pas du tout de la même qualité au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur Unity. Ok. Et qui permet d'éditer le terrain de manière très très rapide et qualitative. D'accord. Dans le 4. Bon, du coup, j'imagine que vu qu'il n'y a pas de nouvelles questions, c'est que tout va bien. On a été assez clair. Donc du coup, à quel prochain projet veux-tu passer? Bah, peut-être qu'on peut passer au petit jeu de société, au petit jeu de plateau. Vendu. Alors. Paf, voilà. Ok. Alors, le petit jeu de plateau, en fait, je travaille dessus avec François. Voilà, donc vous pouvez remarquer que ce sont des dias très 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 différentes les unes des autres. Au niveau des projets, mais c'est totalement assumé. C'est le même univers, mais avec des DIA différentes, parce que ben voilà, on s'adresse pas forcément aux mêmes personnes, et parce que le ton du jeu aussi est différent. Autant pour le jeu vidéo, c'est un environnement réaliste, voilà. Autant là, il s'agit d'un jeu de plateau qui s'adresse à partir de 6-7 ans, voilà, donc les enfants, mais aussi les plus grands enfants que l'on est. Hein. Et donc du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus stylisé, voilà, beaucoup plus cartoon, on va dire, mais dans le même univers. D'accord. Et donc là, il s'agit d'un jeu qui serait à mi-chemin entre des jeux de type Memory, tu vois ce que c'est, Cœur, c'est-à-dire faire des paires, non?
Oui, totalement. Et avec un semblant de RPG. Voilà, c'est Memory qui rencontre du RPG. Pouf, ça fusionne, ça donne ça. C'est, voilà. D'accord. Et en bas, donc je vois, il y a deux cercles blancs vides. Ouais, alors en bas à gauche, bon, les designs ne sont pas définitifs, hein, je précise. Oui. En bas à gauche, ce serait pour indiquer les points de dégâts. D'accord. Et en bas à droite, les points de karma ou les points de vie, si vous préférez. Ok. Ou des points de wanka. On n'est pas encore sûr à 100% de dénomination, mais ce seront soit des points de karma, soit des points de wanka ou autre chose. Oui, et donc du coup, il s'agit, là aussi, comme dans tous nos projets, avant tout d'exploration-aventure. Okay. En fait, eh ben, il va falloir essayer de trouver la paire qui va bien pour pouvoir continuer son chemin. Donc là, on voit donc 4 personnages. Il y a donc une guerrière, un guerrier, un éclaireur et un enfant. Voilà. C'est ça. Ensuite, là, on passe directement sur un décor jour-nuit. Ouais. Sérieux. N'importe quoi. Non, on voit un petit peu le bout du pied quelque part. Eh oui. Voilà, alors en fait, là, c'est juste de la même tuile. C'est juste que côté recto, c'est jour, côté verso, c'est nuit. À chaque fois, on fait en sorte que... précise, c'est pas encore colorisé, hein, c'est work in progress. À chaque fois, on fait en sorte d'induire un certain onirisme. C'est pour ça que on peut voir, par exemple, dans la partie jour, bah, évidemment, on voit une tête d'un mammifère. En l'occurrence, c'est censé représenter, en tout cas, une tête d'ours dans les nuages. Pour la nuit, est-ce que tu vois un petit peu le côté onirique de la chose ? Alors là, je pense reconnaître. Alors, je sais plus c'est quoi. C'est pas la casserole dans le ciel ? Je sais plus c'est quoi le nom. Alors oui, oui, effectivement, c'est un clin d'œil avec la grande ours, en effet. Mais bon, mais au-delà de ça, tu peux voir que la lune projette une ombre et qui sur la montagne dessine une tête d'ours aussi, avec la truffe, l'œil, la bouche, l'oreille. Je sais pas trop si tu vois. J'ai du mal à la voir. En fait, ça dessine la silhouette, si tu veux. Oui. Ah oui, ça y est, ok, oui, ça, je l'ai, exact. Voilà. De profil, un peu, ouais. C'est okay. Ça. Ça y est, Et donc, voilà. Et donc, vu que c'est un monde onirique, on essaie de retransférer ça sur les différents, dans les différents projets. Et oui, et donc, il y aura toujours aussi, non seulement le même univers, mais aussi le cycle jour-nuit. Et évidemment, qui dit nuit, dit Wendigo. C'est ça, on dit la chasse. Voilà. Donc là, voilà. Je pense que c'est un exemple de map. Je sais pas, je vois pas trop encore. Ça va pas tarder. La casserole, ouais, je vais se tromper, ah. Ça va. Ah. C'est pas de ma gueule, ça va être ma casserole celle-là. c'est de la grande casserole. oui, alors c'est work in progress, hein, c'est pas fini. Mais ça avance. Et en fait, l'idée, c'est que pour la version standard, il n'y aura pas besoin de quoi que ce soit si ce n'est les tuiles. Voilà. À mettre les unes à côté des autres, voilà, en carré. Mais par contre, pour la version premium, l'idée en fait, c'est que on permette aux gens d'acheter un grand tapis en néoprène. Oui. Sur lequel il y aura cela qui sera imprimé. Et en fait, là, c'est work in progress, hein, je répète, il y aura des emplacements pour poser par-dessus les tuiles, en fait. Je crois que c'est la photo suivante, je suis pas sûr. Non, c'est pas la suivante. Mais je vois le... Bon. Je crois qu'il y a une photo qui traîne dedans. Là, on a la photo avec tous les personnages. Et on voit le bout du pied. C'est pas une unijambiste. Voilà. Donc voilà pour ce jeu très très grand public, très accessible. À partir de 6-7 ans, il faut juste savoir compter, faire des additions, des soustractions très très simples à en chiffres. Voilà. C'est mort, je peux pas jouer. Le Dalton Display c'est mort, c'est foutu. Alors là, évidemment, le personnage n'est pas encore colorisé. Voilà, travail en cours. Et
c'est voilà. Et donc c'est à partir de ici qu'on aura le standees. En fait, les standees, je sais pas trop si tu vois ce que c'est. Ce pas sont des personnages en carton où il y a l'avant et l'arrière. Oui, d'accord. Et en fait, on se sert comme un pion. Et donc du coup, aux extrémités du terrain de jeu entre guillemets, on aura une telle tuile où commencera dessus le pion, donc le standee de tel ou tel personnage. D'accord. Et du coup, vous avez peut-être des questions sur le petit jeu de plateau. Tant que la question arrive, on va voir. En tout cas, il y a Valou qui trouve artistiquement que c'est très intéressant. C'est vrai que c'est plutôt bien pensé, hein, l'histoire de l'ours. Ça, c'est vrai que c'est très recherché, j'aime beaucoup. Bon, on essaie de faire des choses oniriques et un petit peu originales aussi. Pour l'instant, ça reste calme du côté du chat. Alors. Le joueur, alors. Ce sera de 1 joueur à 4 joueurs. Il y a 4 personnages. Et l'idée, oui, c'est de pouvoir aussi jouer en solo. Donc de 1 joueur à 4 joueurs. D'accord, même 1 joueur, d'accord. Est-ce que... Moi j'ai une question, c'est con, mais faut la poser. Est-ce que le manuel, il sera de 1 page ou de 25 pages? À mon avis, ce sera une demi-page, et encore. D'accord. Donc ce sera très très simple. Bon, pas de mouvement du côté du chat, donc je pense qu'on peut peut-être passer au suivant, du coup. Mm-hmm. Donc du coup, je t'invite à ouvrir le dossier du grand jeu de plateau. C'est parti. Paf. Voici directement un personnage sur son carton, sur son pied. Mm-hmm. Oui, bon... Là encore, je me répète, excusez-moi, c'est du work in progress. Voilà. Donc, dans les deux jeux de plateau, il y aura des standees. Ah, pas possible. Le manuel, ce sera ni l'un ni l'autre. Ce sera. Ça sera sur papier. Un papier normal ou un papier recyclé? Attention. Oh là, mon dieu. Ce sera recyclé. De manière on ne peut plus écologique, bien sûr. Le carton pour les personnages aussi, j'imagine. Le mec qui fout la merde. Ah oui, et une fois qu'on aura joué, on pourra le manger, ce sera comestible. Ah on recycle tout. Voilà une bonne idée. Oh mon dieu. Vous savez, ça part en riz. 1h30, c'est fini, on n'arrive plus à tenir. Donc, voilà. Après, je t'invite à passer à l'autre image, pour que je puisse peut-être un peu mieux expliquer. Là, on a directement la map. Oui, alors là encore, c'est du travail en cours, c'est pour voir un petit peu le concept. Alors, je vous explique un petit peu le concept. Donc, on démarre autour du tipi en haut à gauche. Il y aura plusieurs maps, hein, il y aura plusieurs îles. Voilà. Et l'idée en fait, c'est de récupérer des items qui sont répartis à travers l'île et à donner au totem que l'on voit en haut à droite. Afin de nous donner accès au cercle chamanique, au cercle de médecine que l'on voit là, symbolisé par du rouge là, pour pouvoir passer à l'île suivante. Le truc, c'est que là aussi, comme toujours, c'est de l'exploration aventure. Donc il va s'agir de dépenser un certain nombre de points d'action pour faire telle ou telle action. D'abord l'action pour voir ce qu'il y a sur telle ou telle case qui est adjacente à celle à laquelle on est, ou jusqu'à... deux cases par rapport à celle à laquelle on est. Ensuite, on peut se déplacer. Là, ça coûte plus ou moins de points d'action en fonction du personnage. Oui, il y a un aspect un peu plus développé au niveau du RPG, sur le gros jeu de plateau par rapport au petit jeu de plateau. En fait, l'idée, c'est de ne pas jouer avec des dés. L'idée, c'est de faire ce que j'appellerais du hasard pondéré. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a quatre types de biomes
il y a plaine, forêt, montagne, eau. Imagine en haut ou en bas, tu as un deck de cartes plaine, un deck de cartes forêt, un deck de cartes montagne, un deck de cartes eau. Quand tu veux aller sur un deck sur une case hexagonale pleine, et ben tu vas piocher dans le deck de cartes pleine. Et là tu verras s'il y a rien ou s'il y a un animal, etc., etc. Et donc du coup tu le mets dessus. Une fois que c'est fait, tu mets la carte de côté. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas tomber sur des choses à chaque fois aléatoires, mais tu es sûr de tomber sur tout ce qui est prévu déjà au niveau du game design. D'accord. Voilà. Et donc évidemment, ce n'est que dans le deck de cartes forêt que tu vas pouvoir tomber la nuit, parce que là aussi, hein, c'est toujours nuit, comme dans tous les projets, que la nuit, tu vas pouvoir tomber sur le Wendigo. Ok. Et si tu tombes sur le Wendigo de jour, tu fais comme si tu l'avais pas vu, tu le remélanges ton paquet. Voilà, c'est bon. D'accord. Voilà. On a Valou qui marche là-bas par une forme de bison. Alors, c'est pas une forme de bison, non, pas vraiment. Non. Non, ce serait un peu trop obvious, je pense. Mais par contre, donc il y aura 4 maps. Il y aura le bison, après je crois que c'est l'ours ou le loup. Après c'est le loup ou l'ours. Et la quatrième map c'est aigle. Map de l'aigle. Donc avec des proportions de biomes différents en fonction des maps. Et aussi évidemment avec une proportion de forêt qui ne fait qu'augmenter. Pour augmenter la difficulté parce que ouais. On risque de tomber davantage sur le Wendigo. D'accord. Et donc un truc un petit peu original c'est que là, tu vois là où il y a les jumelles. Oui. Ben en fait, bon. Ce sera pas comme ça, hein. Il y aura un joli dessin, etc. Ce sera sympathique. Pour l'instant, c'est purement schématique. Mais en fait, ça va être des points en hauteur. Ça pourrait être une montagne, ça pourrait être le sommet d'un haut arbre, un grand arbre, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on sera là-dessus, on va dépenser juste un point d'action pour voir à 360 degrés tout autour. Ça okay. va permettre de découvrir beaucoup de cases pour un seul point d'action dépensé. Voilà, schématiquement. Et donc, il y a des items qu'on va pouvoir trouver le jour comme la nuit, en fonction de tel ou tel biome, et d'autres qui seront découvrables que la nuit. Qu'on va pouvoir découvrir que la nuit. D'accord. Et puis, juste pour faire rager Valou, moi je dirais qu'avec le bras là, ici, là, mm-hmm. ça me fait penser à la haute et la basse Normandie, ma gueule. J'oublie de dire un truc assez important, je pense, c'est que aussi bien pour le petit jeu de plateau que pour le jeu de plateau grand, on va dire, enfin grand entre guillemets, par rapport au petit en tout cas, il y aura plusieurs modes de jeu, et le mode de jeu principal ce sera du mode de jeu coopératif. Voilà, c'est les uns avec les autres, ce sera pas les uns contre les autres. D'accord. Ça c'est important de préciser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre image ? On a un loup devant un fond. Loup devant un fond ? Ouais. Ah, tu vas voir la photo que t'arrives. Ah, je vois. Oui, bah ça c'est une des fiches de personnages. Bon, c'est de voir qu'il progresse encore. Oui, donc toujours dans l'esprit de faire un peu plus RPG que le petit jeu de... que le petit jeu de plateau. Il y aura des fiches de personnages où on aura un nombre de points d'action à dépenser et chaque action, en fonction du personnage, va coûter plus ou moins de points d'action. D'accord. Voilà. Et puis, on aura aussi un pouvoir spécial propre à tel ou tel personnage qui sera disponible et donc qui prendra 3 tours pour se recharger. 3 tours ou plus ou moins. Ok. Donc voilà, et l'idée en fait c'est de faire en sorte que les gens puissent faire une partie pour le petit jeu de plateau en l'espace de 15 minutes, 20 minutes grand maximum, plutôt 15 que 20 d'ailleurs. Par contre pour le jeu, pour le grand entre guillemets, jeu de plateau, l'idée c'est que ce soit beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire que si les gens ne disposent que de 45 minutes, 1 heure devant eux, alors on les invitera à utiliser plutôt une seule des maps de jeu. Par contre, ils ont davantage de temps, alors là, il faut faire carrément une campagne.
avec jusqu'à 4 maps, en fait. D'accord. Alors ensuite, on a un serpent, là, à peu près la même photo, mais avec un serpent. C'est ça, mais recadré de manière à mieux voir le serpent, parce que si on avait pris le cadre d'avant, il aurait été trop petit. C'est ça. Donc c'est pareil, c'est une fiche de personnage. Exactement. De PNJ. De PNJ, c'est ça. Ok. Et qui ressemblera beaucoup aux fiches de personnages qu'on va incarner d'ailleurs. Mais qui n'auront pas, par contre, de pouvoirs spéciaux qui se recherchent. Là, c'est vraiment du work in progress. Là, la jeune femme que l'on peut voir est, n'est pas du tout finalisée sur cette image-là, en tout cas. Est-ce que tu vois, cœur, oui, le petit côté onirique dans ce dessin? Alors, bonne question. Oui, bien sûr. Et je l'ai trouvé comme ça, instant. Il y a Arkava qui demande si les maps seront personnalisables. Les maps ne seront pas personnalisables, mais par contre, l'idée, en fait, c'est qu'il y a deux versions de chaque map. C'est-à-dire, imaginez en format A3, en fait, il y aura la même map, au recto et au verso, mais à chaque fois avec des emplacements du biome différents. Ça va permettre d'augmenter la durée de vie encore davantage. D'accord. Et donc là, du coup, pour le côté onirique, ça se trouve dans les nuages. C'est ça, bien joué. Et puis, faut pas perdre de vue aussi que grâce à ce que j'ai mis en place là au niveau du hasard pondéré, à chaque fois, on aura des tirages différents en fait. Oui, oui. Donc, chaque partie sera différente. Oui. Heureusement. Ah, ça, je la trouve très jolie. Et le bison au bord de la rivière. C'est sympa. Oui, avec des petites, avec des petits pétales qui s'en vont au gré du vent. Voilà, donc là, bah, ça va être pour fiche de PNJ, disons. D'accord. Ensuite, on a le poisson. C'est, j'ai oublié de le dire, alors, pour le petit jeu de plateau, j'ai dit, hein, c'est François qui s'en occupe, pour les graphismes, pour les illustrations. Pour les grands jeux de plateau, il s'agit de Blandine. D'accord. Blandine la Rose, big up, wesh. Toi-même, tu sais, représente. Arpazen. Voilà. Et voilà, et donc elle est avec nous depuis un certain temps, et donc et ben, voilà, elle fait des superbes graphismes. Ben, d'ailleurs, on a des artistes et des codeurs et des monsieur et madame son, savoir Aurore et Alex, Alexis donc, qui font vraiment tous un travail formidable, d'autant plus que vu nos contraintes, réussir à faire des choses de qualité, c'est une gageure. Et on y arrive tant bien que mal, je pense. Oui, c'est comme la petite musique qui tourne en fond. Depuis tout à l'heure, je m'en lasse pas, j'aime bien. Mais en fait, ta musique, toi tu l'entends, mais moi j'entends pas ta musique. Donc j'ai peur que les autres aussi n'entendent pas ta musique. Vous l'entendez pas ? Put ! Mais oui. Peut-être que les autres peuvent dire s'ils entendent pas la musique de fond. Je sais pas. Ah, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop forte. Ah, c'est bon. Et si l'entendre. Non, bah, tout va bien, tout va bien. Oui, c'est une musique créée par notre compositeur musical, hein, Alex, à Alexis Boudou. Un très très bon travail et voilà. Donc ensuite on a la même demoiselle dans différentes poses. Oui, des recherches de poses, voilà, c'est un travail préalable avant de passer beaucoup de temps à faire un travail beaucoup plus défini en termes d'illustration. Voilà. Après revoilà le grand méchant loup. Ah bah forcément. Ça aussi, cette illustration, elle est work in progress, mais elle est déjà bien 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 entamée. Là maintenant, c'est plus que des petits détails. Ouais. Et donc là, bah, côté onirique, bah, c'est toujours des champignons lumineux, des choses comme ça. Ouais. Arkama qui est toujours dans le troll, qui demande si le saumon de tout à l'heure sera un perso jouable. A priori, non. Mais peut-être dans le jeu vidéo, quand on fera des courses en incarnant des animaux. Ça peut être rigolo de faire une course en tant que saumon. Ça peut être rigolo. À voir.
peut troller gentiment. Ah mon dieu. Et donc là on arrive au bout des photos du coup. Voilà. Donc j'imagine que les questions pour le grand jeu de plateau. C'est pas. Tu peux pas time out un modo. Et c'est la guerre des modos. Mais non, t'as pas non, tout va bien. Bon, et... j'imagine que tout va bien pour eux. Donc du coup, on a fait le grand jeu, on a fait le petit jeu, on a fait le jeu vidéo. Et il reste le vrai jeu de rôle. Parce que voilà, on tourne autour du pot, voilà, et au bout d'un moment... On va attaquer le sujet d'Arkama, peut-être. Peut-être. Alors... Parce que, voilà, dans le jeu de vidéo, évidemment, il y a un petit peu de RPG, comme quasiment tous les jeux vidéo aujourd'hui. Dans les deux jeux de plateau, il y en a de plus en plus, et dans le jeu de rôle, bah, évidemment, il y a beaucoup plus de jeux de rôle. Alors là, on voit des images de différents animaux qu'on va chasser, hein. C'est de la chasse, hein, faut pas oublier, c'est Hunting Grounds, donc voilà. Mais ce sera aussi de l'exploration aventure, voilà, ce sera pas vraiment du donjon crawler, hein. Donc du coup là pour les dessins c'est encore quelqu'un d'autre qui le fait ? C'est ça, c'est Yann. Yann Liebi qui est enseignant en fait au collège en art plastique. D'accord. Et qui adore les jeux de rôle et c'est un très très bon illustrateur. Et il aime beaucoup ce sujet-là, donc ça a bien matché entre nous, il fait un travail de malade mental. Et là, ce que vous voyez en noir et blanc, c'est des rushs, voilà, c'est des rushs. C'est-à-dire que c'est des brouillons. Voilà, donc c'est des bases, et après il va les retravailler pour avoir une qualité comme ce que l'on peut voir sur les autres images. Là aussi, il s'agit d'images pour des fiches de personnages. D'accord. Un peu plus de personnages, ouais. Minimum 10, minimum. Alors, je sais pas trop ce que tu as sous les yeux, là, parce que j'ai un décalage avec toi. J'ai le croco, l'aigle, le bison... Ah, oui. Oui, alors, non, oui. Enfin, oui et non, ce sont des PNJ, ce sont pas des PJ. Donc, voilà. Ah oui, en tout cas, c'est rigolo, c'est que, en fait, il s'agit, comme on peut le voir, derrière toi un petit peu. Ah, je suis encore... je me casse, salut. En fait, c'est indiqué, c'est pas en JDR façon Donjons et Dragons, truc énorme, 400 pages. Il s'agit d'un kit d'initiation. Un kit d'initiation, c'est fait avant tout pour les nouveaux entrants dans l'univers du jeu de rôle. Donc, il faut pas que ce soit trop costaud, niveau règles. Il faut que ce soit vraiment accessible, mais en même temps que... ils sentent un petit peu quand même le goût du JDR quand même, vous voyez, ça craque sous la dent un petit peu. Et donc du coup, c'est une balance à trouver entre rendre très accessible ce produit culturel et en même temps faire en sorte que ça les plonge véritablement dans l'univers des jeux de rôle. Et donc pour ce faire, en fait, on part sur deux scénarios. Un scénario qui aura lieu dans en Alaska, voilà, avec des Inuits et compagnie, et un scénario qui aura lieu lui dans le sud-ouest des États-Unis, région aride, sèche, etc., type Arizona, type Nouveau-Mexique, etc. Bref. Très très sec et en plus de ces deux scénarios, l'idée en fait c'est de fournir les outils qu'il faut pour que le MJ, le maître du jeu, puisse créer ses propres scénarios sur différents types d'environnements, dans différents types d'environnements, aussi bien ces environnements dont j'ai parlé, le Grand Nord et le Grand Sud des États-Unis. Ou encore le Bayou en Louisiane, ou encore les Grandes Plaines, ou encore les Montagnes Rocheuses, etc., etc. Bref, l'idée c'est de donner la possibilité au maître du jeu de créer des aventures amérindiennes et oniriques en l'aidant avec des tableaux, des choses comme ça, des aides de jeu, et aussi
certains animaux qu'on peut trouver dans d'autres régions que le fin fond du sud et le grand nord. Comme par exemple le bison. Voilà. Bison, il y a certes des bisons en Alaska, ce sont les bisons des forêts, mais dans le grand sud, il n'y en a pas des masses. C'est, voilà, c'est plutôt dans les plaines. Alors là, c'est... voilà. C'est bon, tu peux passer au personnage, okay. Éventuellement, personnage humain. Il s'agissait donc de Crazy Hall, mais pour le scénario du Nord. Donc, à la fois sa maison, sa petite bicoque là, que son accoutrement, ses vêtements sont réellement. C'était sourcé, je veux dire, on s'est documenté pour ça. D'accord. Voilà, ça vient de tribus amérindiennes de l'Alaska, tout ça. Est-ce que dans cette image, tu peux trouver le petit côté onirique ? Alors, écoute, laisse-moi le temps de chercher. En attendant, il y a Arkama qui demande si vous n'avez pas peur d'être trop confiné dans cet univers qui reste limité au niveau des ennemis, par exemple. Et je vais chercher le côté onirique, parce que là, je ne l'ai pas. Alors, pour lui répondre, alors en fait, il va y avoir pas mal d'ennemis différents, aussi bien des ennemis classiques, j'ai envie de dire, comme des loups, voilà, des choses comme ça, que scorpions et autres serpents, que des animaux blancs, uniques, propres à chaque île, ceux-là pour tous les projets, qui sont bien plus gros que leur version normale, de base. Par exemple, le bison blanc, il sera 50% plus grand au moins, et beaucoup plus costaud que le bison classique. Donc, voilà. Et, ne pas oublier aussi, niveau ennemi, vous avez le Wendigo. Et voilà. Il y a de quoi faire. Et donc, pour le côté onirique, j'imagine que ça se passe encore dans le ciel. Voilà. En haut à droite. Donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est l'aurore boréale qui montre un espèce d'oiseau avec les ailes. C'est ça. Parce que petit clin d'œil à Crazy Hole. Hein, ah bah, forcément. Forcément. Voilà. Ensuite, on a du coup Crazy Hole. Bah, j'imagine du coup pour le. La campagne du Sud. Exactement, exactement. Et. Donc, là aussi, tu dois pouvoir facilement trouver le côté onirique de la chose, je pense. Juste que c'est encore dans le ciel. Exactement, cette fois-ci, oui. Là aussi, c'est dans le nuage qui représente plus ou moins une chouette. C'est ça. Voilà, et là aussi, la demeure, elle est sourcée. Hein. C'est le type de demeure qu'on peut trouver, je crois, dans le Nouveau-Mexique, pour les anciens Amérindiens, voilà. Ensuite, on a un enfant avec sa fronde. Ouais. Tant que ça arrive à l'écran. C'est avec neige ou sans neige ? Ah, c'est sans neige. Donc, ça, c'est la version du sud de l'enfant. Voilà. Après, on va sur le. Et d'ailleurs, pour l'enfant, ainsi que pour un autre personnage, il y aura un familier. D'accord. On sera rajouté par la suite. Ensuite, on passe sur une petite photo de présentation du kit. Ouais, alors, vraiment, c'est pas topissime dans le sens où c'est vraiment de work in progress, on va quasiment tout remplacer. Voilà, parce que là, c'est un petit peu what the fuck. Dans le sens où pourquoi avoir mis des muffins à la myrtille, je comprends pas. Pas trop le rapport avec les Amérindiens, mais bon, de toute façon. Pareil pour le chandelier ou autre, ou le verre en verre. Mais bon, voilà, c'est une première présentation. Effectivement, il s'agirait plutôt de partir sur une boîte, une petite initiation, voilà. Et là, d'ailleurs, vous pouvez apprécier, je pense, la qualité du travail de Yann sur la couverture. Où on peut voir donc un certain nombre de personnages qu'on va pouvoir incarner, ainsi que des îles volantes, etc., totem, compagnie. Ensuite, nous avons. Ah, l'enfant! Dans le nord, avec la photo qu'on retrouve sur celle qu'on a juste de voir. C'est ça. Exactement. Et là, il y aura un animal familier différent, bien sûr, que sa version du sud. Et
Donc ensuite, on a d'autres... Alors, on a un exemple du sud et du nord. De la pêche du sud et du nord, pareil. Ouais. Pas les mêmes vêtements, forcément. Bah non, bien sûr. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on tâche de faire en sorte que ce soit les mêmes personnages, en fait, qu'on va pouvoir incarner aussi dans le scénario du nord que dans le scénario du sud. Ok. Et donc avec des représentations différentes. Voilà. On a des totems. Oui, oui, oui. Donc ces totems, ça permet de pouvoir faire en sorte que le maître du jeu puisse mieux plonger ses joueurs dans telle ou telle ambiance, tel ou tel environnement. Ah, revoilà le Wendigo. Très jolie cette version aussi. Il vient de se débrouiller très très bien. Et oui, c'est ça, c'est le propre des projets transmédia. Ça, je précise, ça c'est le Wendigo version Nord. D'accord, et lui aussi aura un skin différent. Ouais, c'est un petit peu différent et l'environnement aussi différent. D'accord. Même son skin est un peu différent. Là, par exemple, en version Nord, vous pouvez voir quand même il a pas mal de poils. Parce que, bah, il fait froid, donc il faut des poils pour. Et on est arrivé au bout. Voilà. Ah, voilà. Grosse présentation de ce futur jeu qui a l'air sympathique, hein, vraiment. Bah, et des dessins sont magnifiques. Hein. Merci, merci, merci. Et puis voilà, donc ben, c'est moi qui travaille sur le scénario des GD. Ben, un petit peu de tous les projets, mais donc y compris sur le jeu de rôle. Et j'aime beaucoup ça. Et je travaille donc avec Yann qui se connaît aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en matière de jeu de rôle. Et dans l'équipe, on a de la chance, d'avoir des amateurs de jeux de rôle, et notamment certains, que ce soit Yann ou que ce soit Alexis, Alexis Karoff, qui sont maîtres de jeu eux-mêmes. Donc du coup, ils me font des retours très utiles, très appréciables par rapport à mon game design et au scénario. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main, on vous autorisera à parler. Si on ne levez pas la main, on ne vous voit pas. Il faut tout leur dire. Est-ce que tu veux toi rajouter des choses ou pas? Bah, l'idée c'est sans doute pour les. C'est pas sûr à 100% pour le jeu vidéo, on va voir. Mais pour les deux jeux de plateau et pour le jeu de rôle papier. L'idée c'est de passer par du financement participatif, donc ils seront aboutis, quasiment aboutis. Et pour la. C'est beaucoup trop tôt pour parler d'une sortie d'une version jouable pour le jeu vidéo, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Là, ce que l'on fait avec le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle une vertical slice, donc ce qui va permettre de donner une très bonne idée de ce à quoi le jeu va ressembler au final. Mais en se limitant à la première île, sachant qu'il y en aura un certain nombre d'îles, afin de pouvoir convaincre encore mieux, que ce soit éditeur et ou des backers lors d'un financement participatif. Ou même, pourquoi pas, se lancer en early access sur Steam ou sur Epic Game Store. Dans tous les cas, il faut que ça dépote, enfin, autant que faire se peut. Et donc, produire uniquement entre guillemets, une version technique, ça suffit pas. Donc du coup, ça prend beaucoup plus de temps pour faire quelque chose qui dépote aussi au niveau visuel et au niveau audio. Voilà. Il y a de financement participatif pour le jeu vidéo. Les devs vont-ils se barrer avec la caisse? C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. D'autant plus que moi-même et les autres, on met notre nom en avant. Voilà, donc le monde du jeu vidéo étant tout petit, il s'agit d'éviter de se griller. C'est clair. Et ouais. C'est aussi pour ça, aussi pour assurer les investisseurs, quels qu'ils soient, l'idée c'est de pouvoir montrer que en fait on a déjà fait le plus gros du travail. C'est-à-dire que quand la vertical slide sera finie, on aura fait 90% du gameplay en fait, du jeu.
Après, oui, il y aura beaucoup de choses à faire aussi au niveau du contenu. Mais en tout cas, le gameplay, toutes les grosses bases du gameplay seront déjà posées. Donc, ouais. Donc du coup, pour ceux qui... La Vertical Slice, ce serait genre une sorte de démo, en fait. C'est ça. Du début du jeu. Ouais. Mais vraiment qualitatif. Extrêmement proche, si ce n'est avec la même qualité que ce que sera le jeu final. D'accord. Mais par contre, c'est une tranche. Ouais. Verticale. Une vertical slice. Voilà. Ce sera pas tout le jeu en entier, dans un premier temps. Parce que c'est énormément de boulot vu de contraintes. Je répète. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas nous comparer à un studio qui a un budget pour faire ces projets-là. C'est pas le cas. Mais bon. On y arrive tant bien que mal, je pense. Ah oui, là, jusque-là, franchement. Ah, par contre, j'ai oublié de dire. Ça peut intéresser les gens. La Vertical Slice, on vise cet été pour la finir. Ah, donc peut-être une démo en tout cas. Une Vertical Slice, ouais, éventuellement là pour. Merci beaucoup de au courant de l'été ou plus tard, septembre, un truc comme ça. D'accord. Ou plus tard. Mais on vise plus tôt, voilà. Franchement, c'est du gros. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié la vidéo. L'ambiance, tout ça, j'aime beaucoup. Et donc, non, c'est... rien que déjà avec ce qui a été fait là, moi, déjà, j'ai déjà été conquis. Donc, après. Merci. Bah, l'idée, en fait, c'est de s'adresser à différents publics. Parce que les amateurs de jeux de rôle n'aiment pas forcément les jeux vidéo. Et les amateurs de jeux de plateau n'aiment pas forcément les jeux de rôle. C'est vrai. Donc, bon. On s'adresse à différents types de publics afin de les intéresser à notre univers pour que, s'ils le souhaitent, tester les autres productions. Et on s'adresse aussi à des tranches de population un petit peu différentes. Le jeu vidéo est quand même plus dark que le petit jeu de plateau, par exemple. Oui, voilà. Oui. Donc, du coup, je voulais te poser une question bête parce que, bon, comme ça, oui. Peut-être t'en... c'est prévu sur PS4 ou PS5? PS6. Non, en fait, pour l'instant, on vise Windows, donc PC Windows. Le jeu, il est déjà jouable en partie, du moins, à la manette. Donc le portage vers console de salon ne devrait pas être trop problématique. Mais pour cela... Il faudrait des ressources, notamment financières, que l'on n'a pas encore. Mais en tout cas, ce sera pas trop difficile, justement aussi parce qu'on travaille avec UE4. D'accord. Et j'avais une autre question bête dans le même style. Ah oui, il y a beaucoup de petites productions, souvent quand ils lancent leur... ne serait-ce que la démo, par exemple. On peut pas remapper les touches. Alors, mappage de touches, possible ou pas? Oui, et ça marche déjà, d'ailleurs. D'accord. C'est possible, et c'est censé aussi détecter automatiquement si on est en AZERTY ou si on est en QWERTY. D'accord. Il y a Dust of Moon, qui vient sûrement d'arriver, qui demande s'il y aura un jeu de rôle. Oui, c'est exactement une image du... Non, si, oui, c'est une image du jeu de rôle qu'on a actuellement sous les yeux. Exactement. Oui. On vient juste de finir d'en parler quasiment. Il y aura le replay. Et oui, il y a aussi le replay pour pouvoir regarder ça. Merci beaucoup Kensho pour le follow. Donc oui, il y a un jeu vidéo, un petit jeu de plateau, un grand jeu de plateau et un jeu de rôle. Sachant que le grand jeu de plateau, il n'est pas non plus pour les experts, dit experts. C'est juste qu'il est grand par rapport au petit. C'est tout. Voilà. Mais il est... Mais le petit est plus accessible quand même. Des 6-7 ans, il n'y a pas de souci. Pour l'autre... les parties durent plus longtemps, faut s'investir davantage, donc je dirais à partir de, je sais pas, 9-10 ans, voilà. Et le JDR, à partir du moment où on est apte à s'immerger et à jouer le rôle, parce qu'en fait c'est un petit peu du théâtre hein, en JDR, oui. À jouer un personnage, y a pas de souci quoi. Parce que c'est un kit d'initiation au jeu de rôle en fait. Voilà, et sachant que le jeu vidéo, donc, est avant tout solo. Tu as dit lequel, pardon? Le jeu vidéo est avant tout un jeu solo. Oui. Et le jeu de rôle, il sera jouable jusqu'à... On a encore beaucoup de playtests à mener, quoi, mais à mon avis,
5 6 personnes, c'est l'idéal. comme dans tous les jeux de rôle. D'accord. De manière, en fait, on n'attend pas trop avant de prendre la parole, etc. Et pour le jeu vidéo, du coup, jouabilité. Niveau de la rejouabilité. La rejouabilité, plutôt. Oui, alors pour la rejouabilité, l'idée, c'est de démultiplier les raisons de rejouer, que ce soit avec du New Game Plus. J'explique un petit peu ce que c'est. New Game Plus, non, tout le monde, je pense que tout le monde a le, okay. Le terme. Que ce soit, pardon, au niveau de mini-jeux comme les courses dont j'ai parlé, voilà. Et il y a aussi la possibilité d'aller où on veut, comme on veut, quand on veut, pour faire tel ou tel type d'activité, si on veut cliquer une tête, si on veut regarder simplement, ne serait-ce que la vie des IA, des animaux, vaquer à leurs occupations en fonction du moment de la journée, etc. À chaque fois c'est différent, hein, c'est pas scripté. C'est aussi en soi très intéressant, et ne pas oublier aussi le mode photo. Oui, c'est vrai. Accessible aussi bien de jour que de nuit, n'importe quand. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les joueurs, même si c'est un jeu solo, puissent toujours avoir plaisir à y revenir. J'ai envie de dire, comme dans les grosses productions AAA de jeux solo, mais avec nos petits moyens. Oui. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui nous demande, il sera prévu pour quand? Pour l'instant, pas de date, peut-être une démo vers septembre. C'est ça, courant de l'été, voire même début de l'été. Ouais, enfin, courant de l'été pour la fin de la Vertical Slice. Et à partir de là, on sera en mesure de la faire tester éventuellement à des personnes. Et aussi de pouvoir mieux démarcher, j'ai commencé, mais je pourrais mieux démarcher, des partenaires potentiels, des investisseurs, des éditeurs, des distributeurs, et on aura la possibilité réellement de lancer en financement participatif. Voilà. D'accord, il y a... Ou même Early Access. Oui. Si jamais il y a une démo, je suis preneur personnellement, mais bon, ça c'est un autre débat aussi. Ça marche. Il y a Kama qui aurait été intéressé sur le fait de voir un peu plus en détail les fiches. Les fiches et les détails, des personnages. Ouais, alors ça c'est prévu pour les semaines qui viennent sur notre page Facebook et sur Twitter. Donc voilà, je crois qu'on les voit assez bien. Voilà. On va montrer un exemple de fiches de personnages avec des stats, des choses comme ça. Pour le RPG. Si c'est pas s'il y a moyen, si tu veux, il y a toujours moyen de repasser sur la chaîne pour reparler un petit peu du jeu, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est gentil. Avec plaisir. Tu es le bienvenu. Et donc merci. On a Dust of Moon qui nous demande, il faudra quoi comme configuration de PC pour jouer aux jeux vidéo? Comment, une RTX, non? Non, il faudra, en gros, il faudra un PC même de 2019, ça ira, voilà. Voire 2018, ça va aller quoi. De toute manière, dans les options, notamment d'affichage, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses, de manière à ce que si on a une bête de compétition, on puisse avoir vraiment du full HD de malade mental, ultra et compagnie. Et puis pour ceux qui ont des configurations moins importantes, eh ben, ils auront la possibilité de réduire un petit peu les détails, des graphismes, des ombres, etc. etc. L'idée, c'est de ne pas empêcher les gens d'avoir un jeu fluide malgré un PC qui risque éventuellement de dater un petit peu. Il y a un petit peu les photos pour... Ouais, des images du jeu de rôle. C'est ça. Bah, des images du jeu vidéo aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Même on va mettre la vidéo en fond. Enfin, sinon, si vous avez comme juste au-dessus, là, vous avez tous les liens du jeu, hein, le Twitter, le Facebook, le YouTube. Donc, n'hésitez pas à cliquer, hein, pour vous tenir au courant. Vous serez les bienvenus parmi nous. Ah, je pense qu'on a fait un bon tour du jeu. Des jeux, je dirais. C'est vrai, de l'IP transmédia. C'est ça.
Où en fait, donc il y aura des fils rouges, plus ou moins épais, on va dire, d'un projet en autre. Ça veut dire que dans les autres jeux, on sera pas obligé de jouer le personnage du jeu vidéo, en fait. Non, pas du tout. Par contre, voilà, en fait, il y a certes l'univers qui est en commun parmi ces quatre projets, mais il y a aussi deux autres personnages qu'on retrouve tout le temps dans tous les projets. Tu les devines ou pas? À part Crazy Hall... Bah, t'as le Wendigo aussi. Ah oui, bah oui, forcément. Forcément. Ah oui, le fameux. Le Wendigo, le Nemesis de l'IP. Ah, par exemple, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce sont les images du grand jeu de plateau. On va faire défiler un petit peu. Avec notamment des fiches de personnages. Telles que là, avec le loup, le serpent. Par des fiches de personnages avec le bison et le poisson. Très très beau projet en tout cas. Bien avancé en plus. Ça, merci. Vraiment, j'ai la chance de pouvoir compter sur des gens très très compétents et qui m'en veulent. Et aussi qui m'en veulent sur le long terme. Ouais. On imagine facilement, je pense, que parce que justement on travaille entre guillemets pour l'instant du moins que sur le temps libre, on a besoin de personnes à la fois compétentes mais qui vont pas lâcher l'affaire au bout de quelques jours ou quelques semaines. Oui. Et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé ces personnes-là qui font un travail de dingue. Et bon, du coup, j'ai peut-être une question encore. Donc, Hunting Grounds of the Great Spirit 2, c'est pour quand, du coup? Tu vas rire, mais j'y pense déjà. Ah, merde. J'y pense déjà. Non, parce que j'adore vraiment travailler avec mon équipe. Vraiment, j'espère qu'on va faire de grandes choses tous ensemble. On fait déjà des choses vraiment super intéressantes, mais j'espère qu'on ira même au-delà de Hunting Grounds of the Great Spirit. Dans le sens où l'idée, en fait, c'est toujours de mettre en corrélation le monde réel et un monde onirique. Oui. Là, en l'occurrence, il s'agit du monde onirique amérindien, d'un monde onirique amérindien, mais après, on peut très bien imaginer d'autres mondes oniriques basés sur des spiritualités et des cultures autres que amérindiennes. Ça peut être chinoise, ça peut être nordique, ça peut être... d'Afrique centrale, etc. etc. Donc... Changement voilà. Total de milieu. Quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est lié le réel avec le merveilleux, l'onirisme. Mais il y a déjà beaucoup de choses à faire sur Hunting Grounds of the Great Spirit. On verra après pour le reste. Voilà. Oui, c'est... On a encore le temps d'ici là. Vous avez d'autres questions? D'autres insultes peut-être? Mais mon chef, c'est ça, des questions, des insultes, non? Bon, alors, allez bosser. Ah, tu m'as posé une question. Mais bon, c'est pas très grave. Laquelle? T'as oublié. Ça commence par S. Est-ce que le jeu est super? Non, c'est ça. Non. La deuxième lettre, c'est J. Ah, tu veux en parler? Oui, enfin, quelques mots éventuellement. D'accord. Bon. Alors, je vois que ça te tient à cœur. Est-ce que vous êtes fait beaucoup emmerder par les SJW pour des cas d'appropriation culturelle? Et tôt ou tard, comme tu m'as dit, de toute façon, vous y êtes déjà passé. Donc... Beaucoup, non. De toute manière, t'imagines bien que ce passage-là, on va le couper dans le replay. Voilà. beaucoup, non. Un peu, oui. Régulièrement, oui aussi. Et voilà. Mais pas beaucoup par rapport à l'ensemble des interactions que j'ai avec les uns et les autres. À savoir que l'appropriation culturelle, ça n'existe pas en droit. C'est un truc inventé par les SJW. Ça n'existe pas. Que ce soit en droit français, en droit canadien, en droit américain, ça n'existe pas. Voilà. La culture, légalement, appartient à tout le monde. Ça n'existe pas. Et la plupart du temps, en fait, ce sont des gens qui n'ont rien à voir qui crient à l'appropriation culturelle. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, j'ai envie de dire, quelle que soit l'œuvre collective,
ce sont des œuvres collectives, hein, ce sur quoi on travaille, il n'y en a aucune qui peut plaire à tout le monde. Ah, alors, on n'a pas eu encore PETA, pas encore. J'étais en train de rigoler à cause de ça. Pas encore. Pas encore. Mais pour ça, déjà de une, je dirais encore que c'est déjà de une. Et de deux, on est dans un monde onirique. Ah, donc, oui. Du coup, c'est pas un monde réel. Donc, du coup, c'est pas des vrais animaux, même. Enfin, c'est doublement pas des vrais animaux, en fait. Du coup. Mais non, PETA, pas encore. Pas encore. Quand je joue à FPS, quand je prends une balle, je me jette par terre. Ah voilà. On chasse des animaux, c'est pas bien. Oh, bah, mon Dieu. Et puis sinon, bah voilà, par rapport au JW, c'est juste que bah faut faire avec. Quand Ubisoft a sorti Assassin's Creed 3 il y a des années de cela, bon, ils n'ont pas eu trop d'histoire. Alors que eux, ben quand même, ils abordent un tant soit peu l'aspect historique dans toute leur production. Nous, pas du tout. Nous, par rapport aux Amérindiens, on ne parle pas du tout de leur histoire tragique, on n'en parle pas du tout. On parle d'une fiction, déjà, c'est une œuvre de fiction, c'est pas un documentaire interactif. Et en plus de ça, on tâche de rendre un peu plus crédible notre univers en mettant des éléments réels de la vie réelle, j'entends ça. Et voilà. Et l'idée, c'est pas du tout de nous faire passer pour ce que l'on n'est pas. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour les cultures amérindiennes. Si c'était pas le cas, je ferais pas ce jeu-là. Ah, ça, c'est comme je te disais la dernière fois, il y en a, pour eux, le mode indien, c'est une philosophie de vie, et alors qu'ils sont, ils sont blancs comme des culs. Et amérindien dans le cœur, on peut aussi s'intéresser à des cultures qui ne sont pas forcément les nôtres, et vouloir faire des œuvres sur ce sujet-là. Il y a eu, je sais pas combien de, non pas de centaines, mais de milliers, voire même des centaines de milliers d'œuvres sur telle ou telle culture par des personnes qui n'étaient pas de cette culture-là. Que ce soit des films sur l'esclavage alors que le réalisateur n'est pas lui-même afro-américain, que ce soit des dessinateurs de manga alors qu'ils ne sont pas japonais, voilà, j'en passe des meilleurs. Donc, et puis aussi combien de réalisateurs américains ont fait des films qui se passent en France. Donc à mon sens, les Amérindiens sont tout à fait libres de créer ce qu'ils veulent comme ils le veulent, à partir du moment où ça reste dans le cadre de la loi. Et j'estime que c'est la même chose pour moi, de toute manière, voilà, je respecte le droit et je ne demande pas plus, pas moins, que pour les autres. Ah. Il y en a Joël Rafale qui nous dit « Tuer des animaux pour leur prendre leurs âmes, les végans ne vont pas aimer. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tuer pour plaisir. Mais en même temps, les végans mangent aussi des pauvres petits légumes qui leur ont rien fait. Et l'âme des choux-fleurs, on y pense ou pas? Je ne sais pas. Ils mangent des légumes qui sont la bouffe de petits animaux tels que les lapins. Alors, qu'est-ce qu'ils vont finir par bouffer? La bouffe. C'est compliqué. Mais bon, de manière générale, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, oui, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Je te racontais le truc de Disney où dans les Indiens, il y avait des mecs qui avaient pas du tout indien dans le spectacle du World War Show là. Et pourtant ils jouent le rôle d'indien, ils ont du maquillage. Oui, mais en même temps, s'ils avaient pas de maquillage, tu vois, ça aurait peut-être été tilt. Ça tout c'est parce que t'étais backstage, mais bon. C'est ça. Je sais pas. Bah ouais, mais c'est comme ça. C'est le poids de mesure. Mais non, on n'a pas eu de grosses levées. On a eu quelques remarques un peu particulières, et d'ailleurs en général quand je fais preuve d'arguments, je pense, relativement logiques, en général la personne lâche l'œuf. C'est dommage parce que ça aurait permis d'avoir une conversation assez enrichie, quoi, mais en général c'est juste déverser sa haine sans chercher à dialoguer. C'est comme ça, c'est dommage. On a Valou qui nous dit « Conclusion, faut manger de l'humain ». Non, je pense que tu te transformes en Wendigo. Pourquoi pas?
Et je me demande, j'avais, je sais pas si t'as déjà joué à Until Dawn sur PlayStation. Oui, oui, oui. Et tout à fait. Je crois que c'est pas un peu la même, le même monstre. Enfin, c'est différent. Ouais. Alors déjà, il y a plusieurs Wendigo dans Until Dawn, et ils ont pas eu tout la même gueule. Oui, c'est ça. Ouais, non, ça c'est clair. Ils ont pas. Mais par contre, oui, il y a aussi des histoires de totem, etc. Ce qui est totalement what the fuck, parce que eux sont censés représenter une fiction toujours, évidemment, mais dans le monde réel. Or, les totems, c'est dans la région des Seattle, dans le nord-ouest américain. Et le Wendigo, ça vient de tribus amérindiennes du nord-est américain, du nord-est des États-Unis. Et donc du sud-est du Canada. Donc ça n'a rien à voir du tout géographiquement. Jamais des Amérindiens qui avaient dans leur culture le Wendigo n'ont vu de totem et réciproquement. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ok, bon, pourquoi pas. Donc du coup, il y a d'autres questions, d'autres débats peut-être. Mais enfin, en tout cas, l'idée c'est de faire en sorte que pour le jeu vidéo, notre objectif c'est la fin de Vertical Slice pour courant de cet été. Et pour les autres projets, qui vont demander plus ou moins de temps, de toute manière, l'objectif c'est pas de faire des personnes de démonstration, c'est d'aller au bout des projets pour pouvoir les commercialiser. Oui, parce que même si on veut sortir ça sur Kickstarter, ou Ulule, ou un autre site de financement participatif, de toute manière, il faut, pour les jeux de rôle, tout comme pour les jeux de plateau, il faut que les produits soient finis. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de travail que faire en jeu vidéo. Thierry, pourra-t-on choisir le genre de son personnage pour ne pas se mettre à dos les LGBT? Aïe. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, je crois. Compliqué. Déjà, oui, c'est vrai, déjà, vous nous forcez à jouer un homme. Putain, en plus, elle est en plus. Horrible. Alors, non, ce sera pas possible, c'est pas que je veux pas, mais... parce qu'en plus de ça, ça foutrait la merde par rapport à l'histoire, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il y a une histoire derrière, donc voilà. Mais bon. Mais par contre, vous pourrez choisir votre personnage dans les autres jeux. Que ce soit les deux jeux de plateau ou le jeu de rôle, là vous aurez vraiment le choix. Homme, femme, enfant. Du coup, on peut pas customiser le perso dans le jeu vidéo, on peut lui mettre les cheveux bleus. Non. Non. Alors, par contre, moi j'ai une question, et c'est quelque chose que dans les FPS j'aime beaucoup voir, mais qu'on voit pas souvent. Est-ce que quand on va regarder par terre, est-ce qu'on verra les pieds de notre personnage? Oui, tout à fait. Ah. Notre personnage est entièrement modélisé, et d'ailleurs on le verra de temps en temps. À la troisième personne, mais lors des phases de sauvegarde. En fait, pour sauvegarder, il faudra être devant un feu de camp, où là, il y aura plusieurs actions possibles. On pourra sauvegarder, on pourra évidemment prendre une torche, etc. Et à ce moment-là, pendant la phase de chargement, petite animation où on le verra s'asseoir en tailleur devant le feu de camp. Le temps que ça charge. D'accord. Avec la caméra qui tourne autour de lui. Voilà. Et quand je vois des FPS où tu vois pas le personnage, je suis là. Non, il y a. Non, et puis en plus de ça, t'as vu dans le mode de jeu multijoueur, il y a les Amérindiens. Oui. Donc oui. C'est juste que l'on place la caméra. Juste devant les yeux du personnage. Ouais, oui. Enfin, qu'on voit l'intérieur de la tête. C'est ça. T'as vu un jeu comme ça où te montre ce qui se passe mais de l'autre côté, pas dans la caméra, t'as la caméra libre. J'ai vu un perso comme ça qui dès qu'il passe en première personne, la tête elle se retrouve complètement. Exact, tu as raison. Et en fait, car le truc c'est que au début on avait ça dans le mode photo jusqu'au moment où on a réussi à faire en sorte que dès que on s'apprête à rentrer dans le personnage, en fait il disparaît. Donc ça c'est pas dégueulasse. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'imagine que pour le chat, tout va bien. Est-ce que vous voulez qu'on se tienne au courant du jeu dans d'autres lives, peut-être, prochainement, bientôt? On fera encore des choses à nous mettre sous la dent, s'il est d'accord.
Ouais, bah on serait avec plaisir, hein, de temps en temps, ça pourrait être sympathique, pour que je vous montre un petit peu l'évolution des différents projets, étant donné que en fait, tous les projets avancent en parallèle. C'est pas l'un, puis l'autre, puis encore un autre, c'est tout avance en même temps, en fait. Je pense qu'ils sont plutôt chauds, mais... Bah cool, bah avec plaisir. Donc vendu. Tu seras voué à revenir, avec grand plaisir. Plaisir, et je vais tâcher d'être à l'heure pour commencer la vidéo, désolé. C'est pas grave. Et nous faire tester le multi en live, alors ça. Waouh. Peut-être pas tout de suite, plus tard, mais peut-être pas tout de suite. Là, c'est pas la priorité. Là, vraiment, pour le jeu vidéo, on met vraiment l'accent sur le solo, pour le moment. Ouais, c'est le cœur du projet, quoi. Oui, d'abord ça, et puis le multi, s'il y a du temps, s'il y a de la place, s'il y a... Bien sûr. Mais en tout cas, c'est encore améliorable, donc je ne lui dis pas 100%, mais 95% du mode solo, du mode multijoueur, fonctionne. Voilà. Okay. Donc ça c'est cool, on a bossé avec, pour l'instant, avec Steam Workshop pour gérer le côté serveur, multijoueur, tout ça. Et ça marche assez bien, et on est assez content de ça. Oh. Je pense que tout... Si, j'ai une question du coup encore. Oui ? Est-ce que PADG est quelqu'un de sympathique ? Ouais, ouais. Franchement, c'est pas du bullshit, Il est adorable ce garçon et il travaille pas avec nous pour avoir en chèque tout de suite. Voilà, il a bien compris nos contraintes. Donc il faut vraiment avoir le cœur sur la main pour travailler avec nous dans ces conditions-là. Et en plus de ça, il fait un travail, je crois, vraiment qualitatif parce que c'est un grand professionnel. Et du coup, on va pouvoir le retrouver dans les différents projets. Ça, oui, différents projets, donc pas forcément que le jeu vidéo d'ailleurs. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant, quoi, mais je peux qu'il y ait des voix pour les autres projets. Voilà. Personnellement, si vous arrivez à accueillir une petite Françoise Canol, je suis refait, mais bon. C'est la voix de Lara Croft. En fait, il m'a dit qu'il pourrait en parler à pas mal de comédiens. Vraiment connu, ouais. Avec qui ils sont tous très bien. Mais bon, je travaille déjà avec un autre comédien, Tigil, Big Up à Tigil, qui a commencé à faire des voix en placeholder, donc des voix pour des versions brouillon, on va dire, ouais. Pour la cinématique d'introduction du jeu vidéo. Donc ça avance. Tranquillement. Ça que c'est bon alors. Bon, ma foi, un mot de la fin, quelque chose ? Pas vraiment, si ce n'est que je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter un épalabre pendant des heures et des heures. 2h30, ça va. Ah, quand même, hein, c'est costaud. et puis, voilà, on serait ravis si vous pouviez nous suivre au moins sur Facebook. Parce que chaque semaine, on met un nouveau post qui montre des nouvelles avancées par rapport à tel ou tel projet. L'idée, en fait, c'est de prendre en compte aussi le retour de la communauté pour essayer de faire en sorte que les projets vous conviennent le plus possible. Et pour ça, il faut des interactions, quoi. Exact. Et peut-être, je vais voir... qu'un de ces jours, on commencera nous aussi à faire des lives sur Twitch ou autre. Ouais, carrément. Ça pourrait être assez rigolo. Pas forcément pour faire ce que l'on est en train de faire, toi et moi, mais plus pour montrer, par exemple, une session de dessin de la part d'un graphiste, en temps réel, par exemple. Ce genre de choses. Ah, c'est des bons plans. Il y avait un jeu vidéo que je suivais, je ne saurais plus trouver le nom. Et c'était avec des dinosaures et ils faisaient des lives où ils étaient en train de remodéliser des trucs, changer des détails. Oui. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Hein. Aussi bien en 2D qu'en 3D, pourquoi pas aussi même pour du son, ça pourrait être rigolo de voir un compositeur musical ou notre sound designer en train de travailler. Carrément, moi je suis pour. Très bien, écoute. C'est une très bonne idée. On va attacher de mettre ça en place.
Ça marche. Ben, merci, merci encore à tous et à toutes. Merci beaucoup à toi, Kerr. Pas de soucis, merci à toi. De ta patience. À toi d'être venu. Merci au live. Merci au modo, hein, ce qui est bon. Parce que je suis très en stress quand même. Big up les modos, merci. Merci à tous ceux qui sont passés. On va se mettre donc sur la page de fin. Eh bien ma foi, merci tout le monde, on se retrouve très bientôt sur un prochain live de Cœur Crawler, peut-être demain, je ne sais pas, voir si vous êtes chaud pour faire un Dead Island toujours, Thierryels et Valou. Franck, merci beaucoup, vraiment. Merci à toi, et puis je te dis à bientôt, et je suis un fidèle de ta chaîne, maintenant que je vais continuer. Merci beaucoup. Merci, et à la prochaine alors. Ça roule, n'hésite pas à rester si tu veux qu'on débrief vite fait. Oui, bien sûr. Au revoir du coup le chat, au revoir la chaîne, on se retrouve très bientôt, je vais pouvoir ouvrir la fenêtre au plus grand parce que putain qu'il fait chaud. Et puis on se revoit du coup bientôt pour le prochain live et peut-être en savoir plus sur le reste de Hunting Grounds. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir Franck. Bye bye. Au revoir le chat.